nous connaissons le président qui était arrivé mourir mercredi 7 juillet. Ça fait en pile parler, en pile. Et bien, nous sommes capables de dire, mais, et James et Solange, et il est capable d'avouer là, t'as avoué, et comme si c'est lui-même qui t'a exécuté ancien chef d'État en parlant de Jovenel Moïse. C'est dans toute information qui t'a sorti dans des CPJ. Oui, là nous dit James Solange, pour le monde qui n'est pas habité à non, et bien, c'est citoyen, ça va regarder là, c'est soi-disant haïtien, américain. Mais, m'a dit non, mesdames, messieurs, attention, faut que nous prudents avec info yo. Pas oublier que monsieur Sao qui entre dans pays, hein, c'est un paquet expert que yo y. Là yo entre dans pays comme ça, yo gen plan A, yo gen plan B, yo gen plan C, yo gen plan D pour pas dire E, yo chargé plan pour si jamais bagay yo ta mal tourné, hein, pour yo gantan gen comment ça va le passer. Ou comprenez? Donc ou même ouvrez yo. Jodi a la nou nan DCPJ, eh bien haïtien qui déclare que c'est lui même qui tire sous président et de façon formelle, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas dans plan? Est-ce que c'est parce que c'est pas parce que bagarre la vin trop pour lui? Comme c'est haïtien, il court dit c'est lui, nous pas connaît. Mais attention, tout ça fait partie des plans, mesdames messieurs, Jean Noudou et n'a ouvri yeux nous et n'a veillé en haut, n'a veillé en bas, n'a continuer mandé justice pour président Jovenel Moïse, ça extrêmement important, mesdames messieurs. N'a poursuivre avec info mais Salomon et qui est-ce qui citoyen ça frère pour monde qui pas connaît. James Solange, c'est l'église qui sorti dans le département sud-est, nous sommes capables de parler et papa là, et nous sommes capables de dire qu'il était magistrat, nous sommes capables de dire et sous le régime matériel par rapport à nous connaissons, l'homme dit que le magistrat n'est pas élu, la salité nommée, nous connaissons le magistrat, il est nommé et responsable commune, ne quittez pas intérimaire, mais papa, nous sommes capables de dire c'est une nommée, et on nous capables de dire dans la zone de la là. Nous avons vu le côté de James Solange qui a débarqué en Haïti, qui a fait don avec Simon. Il a dit que c'est bon Dieu qui est là, il a fait le travail bon Dieu. Et bien, nous avons écouté le travail bon Dieu arrivé, lui-même arrivé, il doit être impliqué dans la question, dans les affaires sur le président pendant qu'il était entré en Haïti. Jimmy. Il était venu faire don, il était venu là, comme quoi il était dans la diaspora, il est venu remettre sa capuche balée dans la zone de Jacques Jimmy. Pourtant, c'est bluffé. Pourtant, nous avons joué là. James Solange, il était descend quand on passait, côté passé qui était à l'école, et je dis à nous, dans quelle situation James Solange, lui, mettait les dîners, c'est un haïtien, vraiment, qui, sont américains qui, d'origine haïtienne, du même, nous, comme on dit, James Solange, citoyen, ça, n'a pas gardé là, du même, c'est lui-même qui t'a avoué, lui, de CPJ, comme quoi, c'est un homme qui t'a détruit, président Jovenel Moïse, dans le cadre d'un complot assassin qui t'a monté pour te, qui t'a monté pour te tuer, détruire, et ancien président, je vais vous dire. Oui, je nous dis là, mesdames, messieurs, faut que nous prudents, en pile, faut que nous fassions attention. Et, monsieur Sayo, c'est expert, yo, pas oublier, yo, faut qu'on ait que yo pas de venir pour tout le président Jovenel. Pendant ce temps, équipe ZAM, yon équipe munitions, yon équipe série de engins lourds, qui sont de venir faire avec yo. Nous pas baisser tête, nous mentir. Et nous comptons très bien, monsieur Sayo, pas de venir simplement pour tout le président. C'est toute famille qui est venue pour tout, mesdames, messieurs. D'après ça que nous apprenons. Donc, je dis à la, nous voyons qui bagaille la bouille. En pile nègre là, pendant que nous parlons là, il n'y a pas foutu dormir à ceux-là. Il n'y a pas foutu dormir. Et Nabdou, ou même capteur d'émission là, ou même qui en Haïti, surtout. Et bon, d'après ça que nous apprenons, monsieur, dame, dégagez-nous, ou même qui est capable de faire petit maquette ou même qui est capable de faire petit réserve ou, nous t'a semblé que, eh bien, moun sa qui a supporté le président Jovenel, population lance un ultimatum là, yo pral prendre la rue normale pour demander justice pour président. Et n'a avancé et Salomon ça important et n'a pas appliqué la justice beaucoup de parle qui convoqué Reginald Boulos, Dimitri Vob et ainsi de suite frère. On a le sous ça. Eh bien, nous dit plusieurs hommes d'affaires et des hommes politiques ont invité dans paquet dans cadre d'un dossier assassinat président République Jovenel Moïse. Nous disons, Dimitri Vob et Jean-Marie Vob, nous avons parlé et Reginald Boulos, Steven Benoît et Yuri Latortin, nous les présenter dans le paquet pour auditionner autour de la mort tragique. Ça, pour le chef de l'État, nous connaissons été assassiné. Séance audition a commencé et commencé faire lundi 12 juillet à 10h, 11h30 le matin. Nous avons appris que plusieurs responsables de la sécurité présidentielle, dont Dimitri Vob, également invité dans le parquet dans le cadre de ce dossier
ça veut dire nous la justice haïtienne nous commencer et bah des deux trois tapes à côté invité plusieurs hommes d'affaires et surtout des hommes politiques maintenant tantôt pour commissaire gouvernement les convoquer et pas bon côté par le Dimi pour convoquer un Dimitri Era et même les convoquer pour 14 ans et pas seulement Dimitri Era inspecteur principal n'a pas les qui sont à Amazon Paul et dit que sont dans Katina, n'attend tout pour convoquer le commissaire police Léon Pierre Ousmane, responsable unité de sécurité par la nationale, la ISPN. Parce que responsable sécurité par la nationale, la ISPN, il est plus différent que l'ISPN. Parce que l'ISPN, c'est lui-même qui contrôlait tout en dans périmètre côté président Jovenel Moïse, abdormi, manger, boire, faire tout dans le l'air, c'est lui-même qui est à l'intérieur. N'attend tout pour le commissaire gouvernement, il est convoqué, il frappe Jean-François, inspecteur général en chef, IGPNSA. N'attend tout pour et commissaire gouvernement les convoquer tout par bon côté par nous capable dire coordonnateur et responsable de palais et sécurité président Jovenel Moïse parce qu'il faut tout le monde vienne répondre question comment faire bah ça fait comment ça va être fait passer pendant que nous connaissons le président qui fait une grosse menace sous deux depuis quelques temps comment faire avec facilité comme ça pour les assaillants à une facilité pour le détruire président. Sinon, et ça, c'est le mélange, j'ai dit, c'est pas Colombien, c'est une façon de dire, c'est même nègre qui parlait encore de la sécurité. Et maintenant, tout Jimmy, pour le commissaire divisionnaire civil, Jean Laguerre, coordonnateur et sécurité présidentielle, là, pour lui-même tout, pour parquet, convoquer, nous, comme on dit, tout le monde, sans oublier, et maintenant, Étienne, secrétaire d'État, sécurité publique, Gonzague, là, tout le monde, Jimmy, il faut venir répondre, question de la justice, parce que nous connaissons le président Jovenel Moïse, lui qui fait appel avec Montaro, parce que nous, ouais, Jean, la guerre est civile, coordonnateur de sécurité présidentielle là, lui annoncé effectivement, oui, bah, on confère que le président Jovenel Moïse a terrené là, à partir des zones inhumaines pour te dire, lui en danger, lui en difficulté, c'est tout ça qu'on est. Et lui, nous connaissons Jean Civil, la guerre, lui-même, il te dit, pas beaucoup de fans, lui, il est Dimitri Ra, lui, il est Léandre, Pierre Ousmane, qui est responsable unité par les nationales, qui est supposé responsable en tant que président, lié l'inspecteur principal Amazon Paul Eddy, lié Dimitri Raza Eddy, lié le monde président Léo Pouzio, mais président en danger, lui-même, il était pas en route. Et la caille président, cependant, la première caille président, il était des incidents, c'est quand on passé, Jimmy, ça veut dire, Fort Nectar, convoqué par rapport pour une temps de qui ça reconnaît de la mort président, Jimmy, parce que non, mon président, pas arrêter comme ça, comme si vous voulez, après les affaires capitales politiques en d'après-midi. Gagne un bagage, nous, comme si nous pouvons trop comprendre là. Nous tendez bien, mesdames, messieurs. Eh bien, yo convoqué, yo relator dessus. Yo convoqué Dimitri Vob, Reginald Boulos, hein, Jean-Marie Vob, et Steven Benoît. Mais, côte Don Kato. Côte Don Kato, pour qui raison Don Kato pas paraître dans l'Islam? C'est comprendre, n'a pas c'est comprendre. Ça fait, Don Kato passe sous l'ISA et de convocation. Puisque nous toutes connaissons l'implication de Don Kato, mesdames, messieurs. Ça, c'est clair. Et je pense que DCPJ, monsieur, réveillez-nous, nous pas comme si à essayer de protéger qui compte là. Nous pas protéger personne. Et je nous dis, faut que le président joue une justice. Mais au-delà de ça, nous pourrons poursuivre, c'est important. N'a pas dit, monsieur, s'il vous plaît, pas de n'a pas info, pas respect, parlez-nous, s'il vous plaît. Dans le cas et Premier ministre Claude Joseph, nous connaissons la bataille éclatée là, et Salomon, mesdames, messieurs. Eh bien, Claude Joseph m'a demandé aide à l'international, aide militaire, frère. Eh bien, effectivement, oui, Jimmy, nous connaissons par rapport à la bataille qui déclenche là après la mort de Jovenel Moïse à côté. Côté Claude Joseph a été assuré, nous capables de dire, et a assuré la transition qui vient là, dans notre pays à côté de nous, Bini. Lima qui dit c'est Claude Joseph qui reconnaît Eliab Kébé jusqu'à ce qu'il fait élection en d'un pays. Mais par la suite, il y a un groupe d'opposition, société civile, ils mettent ensemble avec des concerts. Nous, on va parler de parti en d'un pouvoir qui était parti PHTK, mi-juin, ensemble avec, ensemble société civile, et bien avec le Sénat, ils ont composé ensemble à côté, ils ont même demandé pour ce Joseph Lambert pour qu'il vienne devenir président à la place du président Jovenel Moïse. Ils ont demandé pour ce Lambert. Et nous, depuis matin, sur toutes les réseaux sociaux, il a parlé de. Et le président provisoire actuel, il est Joseph Lambert. Gros bataille déclenchée entre, et nous avons dit Claude Joseph et Joseph et Lambert.
Et nous connaissons Jimmy en plein monde dit Jovenel pas capable d'être premier ministre de pays parce qu'il est président de facto, Jean-Claude Abdilan, parce que le mandat est fini le 17 février 2021. C'est ça, les propositions te comptent toujours à vie lorsqu'il était nommé à Ariel Henry. On peut monter dit Ariel Henry, par exemple, par exemple, Figil, s'il a d'accord à jeune président Jovenel Moïse pour la monter gouvernement. Nous voyons en plus les propositions à critiquer Ariel Henry en tant que nègre et KDF COP 25 ou dégoûté. Et nous voyons, je dis à là, même les propositions à critiquer Jovenel Moïse, qui a dit Jovenel Moïse de facto, 7 février 2021 mandat finiant, et bien nous voyons, et nègre à aujourd'hui, et lui-même, il y a Kébé Ariel Henry, parce que c'est le président qui est nommé lui. Président lui-même est nommé Ariel Henry, c'est Ariel Henry qu'on connaît comme premier ministre. Mais il y a d'accord pour c'est Lambert, Joseph Lambert pour qui président. Et bien, il y a Kébé Ariel Henry, parce que je dis c'est Jovenel qui est nommé lui. Nous recommandons en plus les politiciens, mesdames, en plus, je dis en d'après Yadjimi. L'eau est bon pour nous, nous ne voyons pas l'éclair, les balles pas bon pour nous. Et je dis à ça, nous sommes en clair qui n'est pas un pays qui a brûlé ces questions et ça fait pas que tu as brûlé. Ça peut appeler nous bien, faut que Joseph avec Léon Charles Pagé a fait un peu comme on a dit. Et maintenant, on va parler. Et en plus, Jimmy, il a parlé des questions et Léon Charles, il nous a parlé des questions que Joseph a avec Ariel Henry. Côté, en plus, on a dit, il va y avoir les journaux. En tant que président, je dis à nous, il a supporté Ariel Henry comme premier ministre en tant que Jimmy. Ça veut dire, nous comprenons, ça veut dire. Qu'il y a côté la brise. Donc, mesdames et messieurs. Mais nous avons dit sous point ça, nous avons dit, et bien, Claude Joseph a été demandé aide avec la communauté internationale, là, demandé pour près tout militaire et débarqué en deux pays. A été demandé avec Washington et avec l'ONU pour voir des troupes pour sécuriser sites stratégiques en d'un pays. Par exemple, les votants des sites stratégiques ou même connaissent par les nationales et tout encore pour là-dedans. Et bien, Jimmy nous voit écouter et Claude Joseph nous demandait à plus international là par rapport avec le groupe Nexaro qui finalement enragé parce que beaucoup pas qu'être un vacon absoucé parce que vous dites, vous dites à la fois que vous êtes tout en train de se parler là. Et bien, nous voit groupe qui sorti Jimmy et bien, malheureux. Qui est le président de Paris, comme vous-même, le président Jovenel Moïse, lui, courir, m'a dit, renfort international, là, pour lui, aider, pour lui, protéger, pour ne pas passer, même gens avec le président Jovenel Moïse. Donc, n'a pas rappelé, mesdames, messieurs, il y a des gens qui ont dit que, et pas, n'oublier Nenel Kassi. Nous pas qu'oublier Nenel Kassi, mesdames, messieurs. Nous pas qu'oublier Nenel Kassi. Nous pas qu'oublier André Michel, évidemment. Nous pas qu'oublier Yannick Joseph. Nous pas oublier Mounsayo. Mais en attendant, c'est surtout, gros tête, on a parlé, hein. On a parlé justement Reginald Boulos, Dimitri Vob, et Yuri La Tortue, entre autres, hein. Et nous parlons de Jean-Marie Vob. Mais, et ou pas capable parler de Don Kato. L'autre yon vina après, oui, et André Michel Latou, mais ou pas capable lier moun sa yo, et sincèrement, m'pense que, et rapide, bon, qui sa kap passe? Nous connaissons Dimitri nan Maron, Reginald Boulos nan Maron, Salomon. Mesdames, messieurs, qui sa kap passe? Nous est DCPJ convoqué, messieurs, qui sa kap passe? Est-ce que c'est nan bêtise yap passe nous ou pas? Qui sa kap ta dû fait? Oui. Bon, c'est que nous avons fait du nous avons fait un live, nous explication, mais pas bien. Et la fois dernière, et nous t'en songé, et à chaque fois, le président Jovenel Moïse là, il a convoqué, Reginald Boulos, nous avons battu les pieds, il a été convoqué Dimitri pour battre les pieds. Est-ce que qu'on y a pas d'autre qui est payé à l'illégalité même seul pour ce qui est-ce que nous pensons que nous ne pas être têtu, et déjà, va en Haïti déjà. C'est Interpol, techniquement, nous comptons très bien pas présenter. Yo pas présenté, yo pas de problème. C'est la justice haïtienne. Même Jean Noël Claude Joseph mandé aide à international pour l'armée et pour intervention militaire, et bien pour que Claude Joseph prenne responsabilité, la gagne Interpol des bandits ça yo parce que nous connaissons que yo pas présenté. Au cas. Puis si yo pas présenté de toute façon, nous que la justice haïtienne tout parce que me connais gagne équipe team c'est qui Miami, gagne équipe team c'est qui New York, nous connais yo. Nous cap gagne justice créole là tout. Donc Kroll parle, Kroll comprenne. Et Nape Salomon Kebeling dans quelques secondes, le temps que nous saluons la nôle, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, m'appelez nous, quittez nous faire travail là, parce que tout le monde qui a pris nous dans le moment ça, Nape dit nous, dans le moment que m'a pour vous, m'a dit nous, m'a bonne autorisation, mais pour l'instant, quittez nous frapper. La nôle, nous saluons, frère. Justement, et bonjour Dimi, bonjour Salomon, bonjour tout auditeur, auditeur, mon Afebo TV. Encore une fois, nous comptons rejoindre nous, mes amis, frère Semyo. Et bien, Jimmy, information qui tombe là, même Jean-Salomon a déjà annoncé ça. Et bien, gagné, et gros information qui tombe là, et bien, concernant, et bien, révélation qui fait sous qui est ce monde qui t'a assassiné,
président Jovenel avec propre main parler, mais nous avons gagné justement James Solage et mais qui t'a avoué que c'est lui-même, mais la question qui se pose, est-ce que vraiment c'est lui-même qui fait avec propre main parler vraiment, est-ce que c'est pas un et est-ce que ça fait faire mis accepter dit c'est lui-même, nous connaît toute Colombie ça yo. Et nous nous porter information concernant et James Solage là et n'a pas l'autre haïtien américain qui c'est Olivier Jean-Plan. Et bien James Solage qui est lié mes amis des médias internationaux qui parlait sous l'identité de monsieur Sayo qui ça fait comme travail qui actuellement là. Et bien James Solage c'est lui même qui était en charge de sécurité sur Genève. Les médias qui parlait là, James Solage, in charge of security for Sojourner, c'est lui qui était en charge de sécurité pour Sojourner, et puis qui est actuellement là, il s'est employé Nissan. Donc Nissan, nous connaissons Nissan, c'est pour Reginald Boulos, et encore une fois, nous gagnons également Olivier Jatin. Nous va parler qui est-ce qui Olivier Jatin. C'est lui-même, Olivier Jatin, aka sexy, et bien, il était arrêté sous gouvernement. Il était arrêté pour voler machine avec dossier drogue sous gouvernement Aristide là. Et bien, après départ Aristide, il était fait partie d'un team sécurité pour Yuri La Tortue. Alors, monsieur travaille dans la compagnie sécurité Yuri La Tortue. Et bien, en 2004, monsieur était, après départ Aristide, monsieur était venu accompagné de Né La Tortue. Et puis, il y a Gérald La Tortue également. Monsieur était sous gouvernement Gérald La Tortue. Et puis, il y a monsieur, c'est lui-même qui est responsable acheter des armes pour Yuri La Tortue. D'après les médias internationaux qui a peine bail lui là. Les médias internationaux, ils ont aussi des vérités. On va gosser des vérités, mais ils ont gagné les gens. Alors, c'est gosser des médias locaux qui ont déjà à boxer le dossier pour parler bail bien. Donc, Olivier Jatin, aka sexy, was arrested for car theft and drug under the presidency of Aristide. He was part of the special security team under the direct order of Yuri La Tortue. C'est ça au bail. Et puis, nous dit, en 2004, c'était arrivé en Haïti, il était fait partie, et bien, team sécurité Yuri La Tortue. Mais actuellement là, qui ça, monsieur, qui n'a qui poste, qui responsabilité gagne actuellement là, dans le moment ça, monsieur, c'est lui-même qui est responsable acheter des armes pour compagnie sécurité Yuri La Tortue, et ça seulement pour compagnie sécurité, pour gagner Yuri La Tortue tout. Et bien, après la gosse des cargaisons qui ont apporté dans le pays, lui-même pas jamais fait, eh bien, lui-même pas jamais de compte fait, enquête pas jamais qu'on révèle qui ça dit comme suivi, eh bien, n'a pas le Olivier Jatin, eh bien, c'est ça qui parle les médias internationaux, qui parle toute vérité sous l'identité des haïtiens américains, et n'a pas le James Solage lui-même. Qui t'a travaillé eh bien avec Reginald Boulos actuellement il t'a travaillé dans Nissan donc Nissan c'est pour donc mes amis de Reginald Boulos Yuri La Tortue il est impliqué très fort dans l'assassinat Jovenel Moïse et à travers surtout des agents de sécurité des workers qui c'est des mon qui travaille avec eux qui joignent au fouqué dans le dossier là moi Jovenel Moïse là, mes amis Yuri La Tortue Reginald Boulos Dimitri Vob pagé ou pas bois, eh bien, monsieur, yo jeune preuve, monsieur, impliqué dans la mort, président Jovenel, et bien, qu'on est monsieur Sarogen pour yo, et présenté devant la justice, peuple là, mes amis, si nous avons passé ça, lui, pendant le bas, passez ça, lui, bah, oui, nous avons fait violence, non, mais si nous avons passé ça, lui, pendant le paquet, passez ça, lui, dis bonjour, comment nous y est, dis bonsoir, comment nous y est, vous comprenez? Donc, mes amis, mes détails, yo, concernant, monsieur, des haïtiens américains, yo, c'est l'autre monsieur qui c'est colombien. Nous pouvons gagner trop révélations qui fait de eux, mais nous parlons de deux messieurs ça qui c'est James Solange, Olivier Jatin. Ben nous connaissons, nous pas experts en espagnol, mais qui parle pas les mêmes langues avec nous, mais qui ça dit, mais qui ça dit c'est que tu es président, la part de James Solange, et tout d'après les médias internationaux, d'après information qui sortit, monsieur, mais qui attribue ce que dans le pays avant été assassiné par des Jovenel, ça que tu travailles à Dimitri. Ça que tu travailles avec Boulos, ça que tu travailles avec Yuri La Tortue, qui est responsable d'acheter des armes, eh bien, maintenant qui comprend nous prendre. Mesdames, messieurs, dégagez-nous, contre qui ça n'a fait. Non seulement la justice, mais la justice créole tout dit, et la justice populaire là tout, nous avons agi. Dans le cadre et opération que la vous a mené, nous connaissons le président qui était arrivé mourir mercredi 7 juillet,
ça te fait en pile parler en pile et bien nous capable dire Jimmy et James et Solage et il capable avouer là ta avouer et comme si c'est lui-même qui t'a exécuté ancien chef d'État en parlant de Jovenel Moïse et dans toute information qui t'a sorti dans des prévisions. Oui, là nous dit James Solon pour monde qui pas habité à non et bien c'est citoyen ça va regarder là c'est soi-disant haïtien américain mais m'a dit non mesdames messieurs attention faut que nous prudent avec info yo pas oublier que monsieur Sao qui entre dans pays c'est un paquet expert que yo là yo entre dans pays comme ça yo gien plan A yo gien plan B yo gien plan C yo gien plan D pour pas dire E yo chargé plan pour si jamais bagay yo ta mal tourné hein pour yo gantan gen comment ça va le passer. Vous comprenez? Donc ou même ouvrez yo. Jodi a la nou nan DCPJ, eh bien haïtien qui déclare que c'est les mêmes qui tire sous président et de façon formelle, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas dans plan? Est-ce que c'est pas parce que bagarre la vin trop pour lui comme c'est haïtien li courir dit c'est lui, nous pas connaît. Mais attention, tout ça fait partie des plans mesdames messieurs, Jean Noudou. Et n'a ouvrez nous et n'a veillé en haut, n'a veillé en bas, n'a continué à demander justice pour président Jovenel Moïse. Ça extrêmement important, mesdames, messieurs. N'a poursuivre avec Info, mais Salomon, et qui est-ce qui est citoyen ça, frère, pour le monde qui ne connaît pas? Et James Solage, c'est nègre qui sorti dans le département sud-est, nous sommes capables de parler et papa là, et nous sommes capables de dire qu'il était magistrat. Nous capables de dire, et sous régime matériel, par rapport à nous connaissons, l'homme dit, c'est magistrat, pas élu, la salité nommée, nous connaissons magistrat, il est nommé, et responsable, et commune, ne quittez pas intérimaire, mais par rapport à nous capables de dire, c'est une nommée, et nous capables de dire, dans une zone de la nous convidons au côté de James Solage, il a débarqué en Haïti, il a fait don avec Simone, il a dit, c'est bon Dieu, vous êtes là, il a fait travail, bon Dieu. Et bien, nous, à côté travail bon Dieu arrivé, lui-même arrivé, doit être impliqué dans la question, dans la fête sur le président pendant qu'il était entré en Haïti, Jimmy. Il était venu faire bon, il était venu là, comme quoi il était dans la diaspora, il venu remettre chaque approche balé dans la zone Jacques-Mère, Jimmy. Pourtant, c'est bluffé, pourtant, nous, je veux dire, James Solage, il était descendu quand on passait, côté passé, qui était à l'école, et je veux dire, nous, dans quelle situation, James, dans Solage, lui mette les dîners, c'est un haïtien vraiment qui sont américains qui d'origine haïtienne du mien. Nous, comme on dit, James Solage, citoyen, ça n'a pas gardé là du mien, c'est lui-même qui t'a avoué les bails de CPJ, comme quoi c'est un homme qui t'a détruit président Jovenel Moïse dans le cadre d'un complot assassin qui t'a monté pour te, qui t'a monté pour te tuer, détruit et ancien président Jovenel Moïse. Oui, je nous dis là, mesdames, messieurs, faut que nous prudents, en pile, faut que nous fassions attention. Et, monsieur Sayo, c'est expert, yo, pas oublier, yo, faut qu'on ait que yo pas de venir pour tout le président Jovenel pendant ce temps. Équipe ZAM, yo, équipe munitions, yo, équipe série de engins lourds, qui sont de venir faire avec yo. Nous pas bête, nous menti. Et nous comptons très bien, monsieur Sayo, pas de venir simplement pour tout le président. C'est toute famille qui est venue pour tout yon, mesdames, messieurs. D'après ça que nous apprenons. Donc, je dis à la, nous qui bagay la bouille. En pile nèg la, pendant n'a parlé là, yon pas fouti dormi à ce là. Yon pas fouti dormi. Et n'a pas dit, ou même qui a fait l'émission là, ou même qui en Haïti, surtout. Et bon, d'après ça que nous apprenons, monsieur, dame, dégagez-nous, ou même qui capable de faire ti maquet tout, ou même qui capable de faire ti réserve ou, nous t'assemblé que, eh bien, moun sa qui a supporté président Jovenel, population lance un ultimatum là, yo pral prendre la rue normale pour demander justice pour président. Et n'a avancé et Salomon ça important et n'a pas appliqué la justice beaucoup de parle qui convoqué Reginald Boulos, Dimitri Vob et ainsi de suite frère. On a le sous ça. Eh ben nous dit plusieurs hommes d'affaires et des hommes politiques ont invité dans paquet dans cadre d'un dossier assassinat président République Jovenel Moïse. Nous disons, Dimitri Vob et Jean-Marie Vob, nous avons parlé et Reginald Boulos, Steven Benoît et Yuri Latosin, nous les présenter dans le paquet pour auditionner autour de la mort tragique. Pour les chefs d'État, nous connaissons été assassinés. Séance audition a commencé et a commencé à faire lundi 12 juillet à 10h, 11h30 le matin. Nous avons appris que plusieurs responsables de la sécurité présidentielle, dont Dimitri Vob, également invité nos parquet dans le cadre de ce temps, a dit que la justice haïtienne nous commencé et bien des deux trois tapes à côté invité plusieurs hommes d'affaires et surtout des hommes politiques, maintenant tantôt pour commissaire gouvernement,
les convoquer, les, pas bon côté par le Dimi, pour convoquer un, Dimitri Era, et même les convoquer pour 14 ans, c'est pas seulement Dimitri Era, inspecteur principal, n'a pas les qui sont à 4 ans, Amazon Paul, et dit qu'ils sont à 4 ans, n'a pas tout pour convoquer commissaire police, Léon Pierre Haussmann, responsable unité de sécurité par la nationale, la ISPN. Parce que le responsable de sécurité par la nationale, la ISPN, il est plus différent que l'IRGPN. Parce que l'ISPN, c'est lui-même qui contrôlait tout en dans périmètre côté président Jovenel Moïse, abdormi, manger, boire, faire tout dans l'air, c'est lui-même qui est à l'intérieur. N'absent tout, pour commissaire gouvernement, il est convoqué, il frappe Jean-François, inspecteur général en chef, IGPNH. N'absent tout pour, et commissaire gouvernement, il est convoqué tout. Par bon côté, par nous capables de coordonnateur et responsable de palais et sécurité président Jovenel Moïse. Parce qu'il faut tout le monde d'ailleurs venir répondre à une question. Comment faire ça fait, comment ça fait passer pendant que nous connaissons le président qui fait une grosse menace sous deux depuis qu'elle s'en dit, comment faire avec facilité comme ça pour les assaillants à une facilité pour le détruire président. Sinon, et ça, c'est le mélange. J'ai dit, c'est pas Colombien, c'est en façon de dire, c'est même nec palais encore que la sécurité. Et maintenant, on a tout dit pour le commissaire divisionnaire civil, Jean Laguerre, coordonnateur et sécurité présidentielle, là, pour lui-même tout, pour parquet, convoquer, nous, comme on dit, tout le monde, sans oublier, et maintenant, Étienne, secrétaire d'État, sécurité publique, Gonzague, là, tout le monde a dit, il faut venir répondre, question de la justice, parce que nous connaissons le président Jovenel Moïse, il fait appel avec Montaro, parce que nous, Jean Laguerre et civil, coordinateur de sécurité présidentielle là, il a annoncé effectivement, oui, bah, on confère que le président Jovenel Moïse a terminé là, à partir des zones inhumaines pour te dire, il est en danger, il est en difficulté, c'est tout ça qu'on est. Il est divisé, nous connaissons les gens qui vivent la guerre, lui-même, il te dit pas beaucoup de fans, il est Dimitri Ra, il est le premier Dimitri Ra, il est Léandre Pierre Haussmann, qui est responsable de l'unité palais national, qui est supposé responsable en tant que président, il est l'inspecteur principal Amazon Paul Eddy. Il est Dimitri Raza Eddy, il est le monde président de l'UE pour dire, mais président en danger, lui-même, il était pas en route. Et la caille président, cependant, la première caille président, il y a des incidents, c'est quand on passe, Jimmy, ça veut dire, faut que l'extérieur convoqué par rapport pour l'intendé, qui ça reconnaît de la mort président, Jimmy, parce que, non, mon président, pas arrêter comme ça, comme si vous voulez, apprenez les affaires capitales politiques en d'appréhension. Gayon bagay, nous, comme si nous pouvons trop comprendre là. Nous tendez bien, mesdames, messieurs. Eh bien, yo convoqué, yo relato dessus. Yo convoqué Dimitri Vob, Reginald Boulos, hein, Jean-Marie Vob, et Steven Benoit. Mais, côte Don Kato. Côte Don Kato, pour qui raison Don Kato pas paraître dans l'Islam? C'est comprendre, après c'est comprendre. Ça fait Don Kato pas sous l'issa et de convocation. Puisque nous toutes connaissons l'implication de Don Kato, mesdames, messieurs. Ça c'est clair. Et je pense que DCPJ, monsieur, réveillez-nous. Nous pas comme si essayer de protéger qui compte là. Nous pas protéger personne. Et je nous dis, faut que le président joue une justice. Mais au-delà de ça, nous allons poursuivre, c'est important. Nous avons dit, monsieur, s'il vous plaît, pas de n'avoir une foyer par respect. Parlez-nous, s'il vous plaît. Et. Dans le cas et Premier ministre Claude Joseph, nous connaissons la bataille éclatée là, et Salomon, mesdames et messieurs. Eh bien, Claude Joseph m'a demandé aide internationale, aide militaire, frère. Eh bien, effectivement, nous connaissons par rapport à la bataille qui déclenche là après la mort de Jovenel Moïse à côté. Nous avons bon côté Claude Joseph a été assuré, nous capables de dire, et a assuré la transition qui vient là, dans notre pays à côté de nous, Bini. La Lima qui dit c'est. Claude Joseph qui reconnaît Eliab Kébé jusqu'à ce qu'il fait élection en dans pays. Mais par la suite, il y a un groupe d'opposition, société civile, là, ils mettent ensemble avec des concerts. Nous, on va parler de parti en dans pouvoir qui était parti PHTK, mi-juin, ensemble avec, ensemble société civile, là, et avec un tiré sénat, ils ont composé ensemble à côté, ils ont même demandé pour ce Joseph Lambert pour qu'il vienne devenir président à la place du président Jovenel Moïse. Ils ont demandé pour ce Lambert. Et nous, depuis matin, sur toutes les réseaux sociaux, il a parlé de. Et le président provisoire actuel, il est Joseph Lambert. Gros bataille déclenché entre. Et nous avons dit Claude Joseph et Joseph et Lambert. Et nous connaissons Jimmy en plein moment, il dit, Jovenel, pas capable d'être premier ministre en deux pays parce qu'ils sont présidents de facto, Jean-Claude Abdullah, parce que le mandat est fini le 17 février 2021. C'est ça, les oppositions te comptent toujours, dit, lorsqu'il était nommé à Ariel Henry. En plein moment, il dit, Ariel Henry, pas gagné,
pas gagné dans figure s'il a d'accord à jeune président Jovenel Moïse pour la monter gouvernement. Nous en plein l'opposition a critiqué Ariel Henry en tant que nègre et KDF COP 25 ou dégoûté. Et nous aujourd'hui là même l'opposition a critiqué Jovenel Moïse qui a dit Jovenel Moïse de facto 7 février 2021 mandat finiant et ben nous et nègre aujourd'hui. Et il y a même Kébé Ariel Henry parce que c'est le président qui est nommé lui. Président Jovenel Moïse est nommé Ariel Henry. C'est Ariel Henry qu'on connaît comme premier ministre. Mais il y a d'accord pour c'est Lambert, Joseph Lambert pour qui président. Et bien Kébé Ariel Henry parce que je dis c'est Jovenel qui est nommé lui. Nous recommandons en plus les politiciens, mesdames, en plus je dis en d'après Yadimi. L'eau est bon pour nous. Nous ne voyons pas les clés. L'eau n'est pas bon pour nous. Et je dis à ça, nous sommes en clair qui n'est pas un pays qui a brûlé ces questions et ça fait pas que ça a brûlé. Ça peut rappeler nous bien, fort que Joseph avec Léon Charles, pas joué avec les gens qui ont compris mon abdi. Et maintenant, on va parler. Et en plus, mon Jimmy, il a parlé des questions et Léon Charles, il nous a parlé des questions que Joseph a avec Ariel Henry. Écoutez, en plus, mon Jimmy, il va connaître Jovenel en tant que président. Je dis à nous, il a supporté Ariel Henry comme premier ministre en tant que Jimmy. Ça veut dire, nous comprenons, ça veut dire. Que y a côté la brise du donc mesdames et messieurs nous avons dit sous point ça n'a dit et mais Claude Joseph a été demandé aide avec la communauté internationale là demandé pour tout militaire et débarquer en deux pays a été demandé avec Washington et avec l'ONU pour voir des troupes pour sécuriser sites stratégiques en d'un pays. Par exemple, les votes des sites stratégiques ou même connaissent par les nationales et d'autres encore pour là-dedans. Et bien, Jimmy nous voit écouter et Claude Joseph nous demande à plus international là par rapport avec le groupe Nexaro qui finalement enragé parce que beaucoup pas quelqu'un va absoucer parce qu'il nous dit qu'il y a la fois qu'il y a une tournée en train de se parler là. Et bien, nous voit le groupe qui est sorti Jimmy et bien, malheureux. Qui est le président de Paris, comme vous même déjà le président Jovenel Moïse, l'écoute m'a dit un renfort international là pour aider pour nous protéger, pour ne pas passer même gens avec le président Jovenel Moïse. Donc, n'a pas rappelé, mesdames et messieurs, il y a des gens qui ont dit que pas n'oublier Nenel Kassi. Nous pas oublier Nenel Kassi, mesdames et messieurs. Nous pas oublier Nenel Kassi. Nous pas oublier André Michel, évidemment. Nous pas oublier Yannick Joseph. Nous pas oublier Mounsayo. Mais en attendant, c'est surtout gros tête, on a parlé, hein. On a parlé justement Reginald Boulos, Dimitri Vob et Yuri La Tortue, entre autres, hein. Et nous parler de Jean-Marie Vob. Mais, et ou pas capable parler de Don Kato. L'autre yo vient après oui et André Michel Latour mon pas capable oublier moun sa yo et sincèrement parce que et rapide bon qui ça va passer nous connaît Dimitri dans Maron Reginald Boulos dans Maron Salomon mesdames messieurs qui ça va passer nous est DCPJ convoqué monsieur qui ça va passer est-ce que c'est dans bêtise a passer nous ou pas qui ça t'a dû faire oui bon c'est mon Benjamin nous gère le live pour une petite explication mais pas bien. Et la fois dernière, et nous t'en songer, et à chaque fois, le président Jovenel Moïse là, il a convoqué Reginald Boulos, nous avons battu les pieds, il a été convoqué Dimitri Vob, il a battu les pieds, est-ce que qu'on y a pendant qu'il y a un pays à l'Ilagali même seul pour ce qui est Jimmy, est-ce que nous pensons que nous ne pouvons pas être têtu, et déjà, on va en Haïti déjà. Interpol, techniquement, nous comptons très bien, il va présenter. Il n'y a pas de présenté, il n'y a pas de problème. C'est la justice haïtienne. Même Jean-Noël et Claude Joseph mandé aide à l'international pour l'armée et pour intervention militaire. Et bien, pour que Claude Joseph prenne responsabilité, la guerre Interpol des bandits, parce que nous connaissons pas présenté. Au cas. Puis, si vous n'avez pas présenté, de toute façon, nous avons la justice haïtienne tout. Parce que nous connaissons une équipe de monsieur qui Miami, une équipe de monsieur qui New York. Nous connaissons. Nous avons une justice qui est là tout. Donc, Kroll parle, Kroll comprenne. Et Nape Salomon Kebeling dans quelques secondes, le temps que nous saluer la nol, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, m'appelez nous, quittez nous faire travail là, parce que tout le monde qui a pris nous dans le moment ça, Nape dit nous, dans le moment que m'a pour vous, m'a dit nous, m'a bonne autorisation, mais pour l'instant, quittez nous frapper. La nol, nous saluons, frère. Justement, et bonjour Dimi, bonjour Salomon, bonjour tout auditeur, auditeur, mon Afebo TV. Encore une fois, nous comptons rejoindre nous, mes amis, frère Semyo. Et même Jimmy, information qui tombe là, même Jean-Salomon a déjà annoncé ça. Et bien, gagné, et gros information qui tombe là, et bien, concernant, et bien, révélation qui fait sur qui est ce monde qui t'a assassiné, président Jovenel, avec propre main pali, mais nous avons gagné justement James Solage, et bien, qui t'a avoué que c'est lui-même, mais la question qui se pose, est-ce que vraiment c'est lui-même qui fait avec propre main pali vraiment? Est-ce que c'est pas un, et est-ce que ça fait un fait, mais c'est accepté, dit c'est lui-même? Nous connaissons tout Colombien, ça y est.
et nous nous porter information concernant et James Solage là et n'a pas l'autre haïtien américain qui c'est Olivier Jean-Pran. Et bien James Solage qui est lié mes amis des médias internationaux qui parlait sous l'identité de monsieur Sayo qui ça fait comme travail qui actuellement là. Et bien James Solage c'est lui même qui était en charge de sécurité sur Genève. Les médias qui parlait là, James Solage, in charge of security for Sojourner, enfin, c'est lui qui était en charge de sécurité pour Sojourner, et puis qui est actuellement là, il s'est employé Nissan. Donc Nissan, nous connaissons Nissan, c'est pour Reginald Boulos, et encore une fois, nous gagnons également Olivier Jatin. Nous allons parler qui est-ce qui Olivier Jatin. C'est lui-même, Olivier Jatin, aka sexy, et bien, il était arrêté sous gouvernement. Il était arrêté pour voler machine avec dossier drogue sous gouvernement Aristide là. Et bien, après départ Aristide, il était fait partie d'un team sécurité pour Yuri La Tortue. Alors, monsieur travaille dans la compagnie sécurité Yuri La Tortue. Et bien, en 2004, monsieur était, après départ Aristide, monsieur était venu accompagné de Né La Tortue. Et puis, il y a Gérard La Tortue également. Monsieur était sous gouvernement Gérard La Tortue. Et puis, il y a monsieur, c'est lui-même qui est responsable acheter des armes pour Yuri La Tortue. D'après les médias internationaux qui a peine bail lui là. Les médias internationaux, ils ont aussi des vérités. On va gosser des vérités, mais ils ont gagné au bail les gens. Alors, c'est gosser des médias locaux qui ont déjà à boxer dossier pour parler bail bien. Donc, Olivier Jatin, AK Sexy, was arrested for car theft and drug under the presidency of Aristide. He was part of the special security team under the direct order of Yuri La Tortue. C'est ça au bail. Et puis, nous dit, en 2004, c'était arrivé en Haïti, il était fait partie, et bien, team sécurité Yuri La Tortue. Mais actuellement là, qui ça, monsieur, qui n'a qui poste, qui responsabilité gagne actuellement là, dans le moment ça, monsieur, c'est lui-même qui est responsable acheter des armes pour compagnie sécurité Yuri La Tortue, et ça seulement pour compagnie sécurité, pour gagner Yuri La Tortue tout. Et bien, après la gosse des cargaisons qui ont apporté dans le pays, lui même pas jamais fait, eh bien, lui même pas jamais de compte fait, enquête pas jamais qu'on révèle qui ça dit comme suivi, eh bien, n'a pas le Olivier Jatin, eh bien, c'est ça qui parle les médias internationaux, qui parle toute vérité sous l'identité des haïtiens ou américains, ça y est, et n'a pas le James Solage lui-même, qui t'a travaillé eh bien avec Reginald Boulos actuellement, qui t'a travaillé dans Nissan. Donc Nissan c'est pour Italie. Donc mes amis, de Reginald Boulos, Yuri La Tortue, ils ont impliqué très fort dans l'assassinat Jovenel Moïse et à travers surtout des agents de sécurité, des workers qui se des mon qui travaillent avec eux qui rejoignent le fouqué dans le dossier là moi Jovenel Moïse. Ah, mes amis, Yuri La Tortue, Reginald Boulos, Dimitri Vob pagé ou pas bois, eh bien, monsieur, yo jeune preuve, monsieur, impliqué dans la mort, président Jovenel, et bien, qu'on est monsieur Saogen pour yo, et présenté devant la justice, peuple là, mes amis, si nous avons passé ça, lui, pendant le bar, passé ça, lui, bah, oui, nous avons fait violence, non, mais si nous avons passé ça, lui, pendant le paquet, passé ça, lui, dit bonjour, comment nous y est, dit bonsoir, comment nous y est, vous comprenez? Donc, mes amis, mes détails, concernant, monsieur, des haïtiens américains, c'est notre monsieur qui c'est colombien. Nous pouvons gagner trois révélations qui fait de yo, mais nous parlons de deux messieurs ça qui c'est James Solange, Olivier Jatin. Ben nous connaissons, nous pas experts en espagnol, mais qui parle pas les mêmes langues avec nous, mais qui ça dit, mais qui ça dit c'est que tu es président, la part de James Solange, et tout d'après médias internationaux, d'après information qui sortit, monsieur, mais qui attribue ce que dans le pays avant été assassiné par des Jovenel, ça que tu travailles à Dimitri. Ça que tu travailles avec Boulos, ça que tu travailles avec Yuri La Tortue, qui est responsable d'acheter des armes, eh bien, maintenant qui comprend nous prendre. Mesdames, messieurs, dégagez-nous, contre qui ça n'a fait. Non seulement la justice, mais la justice créole tout dit, et la justice populaire là tout, nous avons agi. Dans le cadre et opération que la vous a mené, nous connaissons le président qui est arrivé mourir mercredi 7 juillet. Ça fait en pile parler, en pile, et bien nous avons dit, Jimmy, et James et Solage. Et il a avoué là, t'as avoué, et comme si c'est lui-même qui t'a exécuté ancien chef d'État en parlant de Jovenel Moïse, selon toute information qui t'a sorti dans des CPJ.
Oui, là nous dit James Solon pour monde qui pas habité à non, et bien c'est citoyen ça va regarder là, c'est soi-disant haïtien américain. Mais m'a dit non mesdames messieurs, attention, faut que nous prudent avec info yo, pas oublier que monsieur ça qui est en train dans pays, c'est un paquet expert que yo est. Là yo en train dans pays comme ça, yo gen plan A, yo gen plan B, yo gen plan C, yo gen plan D pour pas dire yo chargé plan pour si jamais bagay yo ta mal tourné, hein? Pour yo gata gen comment ça va le passer. Vous comprenez? Donc ou même ouvrez yo. Jodi a la nou nan DCPJ, eh bien haïtien qui déclare que c'est lui même qui tire sur président et de façon formelle, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas dans plan? Est-ce que c'est parce que c'est pas parce que bagarre la vinn trop pour lui comme c'est haïtien li kou dit c'est lui, nous pas connaît. Mais attention, tout ça ou fait partie des plans mesdames messieurs, Jean Noudou. Et n'a ouvrez yeux nous et n'a veillé en haut, n'a veillé en bas, n'a continué demander justice pour président Jovenel Moïse. Ça extrêmement important, mesdames messieurs. N'a poursuivre avec info, mais Salomon, et qui est-ce qui citoyen ça frère pour monde qui pas connaît? Et James Solage en Sénégal et qui sorti dans le département sud-est, non capable parler et papa là et non capable dire était magistrat. Nous capables de dire, et sous régime matériel, par rapport à nous connaissons, l'homme dit, c'est magistrat, pas élu, la salité nommée, nous connaissons magistrat, et l'autre est nommé, et responsable commune, ne quittez pas intérimaire, et même papa, nous capables de dire, c'est une lambert, et nous capables de dire, dans un jardin là. Nous convidons au côté de James Solage, il a débarqué en Haïti, il a fait don avec Simon, il a dit, c'est bon Dieu, vous voyez là, il a fait travail bon Dieu. Et bien, nous, à côté du travail, bon, j'ai arrivé, lui-même, arrivé, doit lui impliquer dans la question, dans la fête, sur le président, pendant qu'il était en train d'Haïti, Jimmy. Il était venu faire bon, il était venu là, comme quoi, il était dans la diaspora, il venu remettre chaque approche, balé dans la zone, j'appelais Jimmy. Pourtant, c'est bluffé, lui. Pourtant, nous, je veux dire, j'aime cela, j'étais descendu quand on passait, côté on passait, qui payait l'école, et je veux dire, nous, dans qui situation, j'aime dans, Solage, les Jimmy, c'est un haïtien vraiment qui sont américains qui d'origine haïtienne du Jimmy. Nous, comme on dit, James Solage, citoyen, ça n'a pas gardé là du Jimmy, c'est lui-même qui t'a avoué par DCPJ, comme quoi c'est un homme qui t'a détruit président Jovenel Moïse dans le cadre d'un complot assassin qui t'a monté pour te, qui t'a monté pour te tuer, détruit et ancien président Jovenel Moïse Jimmy. Oui, je nous dis là, mesdames, messieurs, faut que nous prudents, en pile, faut que nous fassions attention. Et, monsieur Sayo, c'est expert, yo, pas oublier, yo, faut qu'on ait que yo pas de venir pour tout le président Jovenel pendant ce temps. Équipe ZAM, yon équipe munitions, yon équipe série et engins lourds, qui sont de venir faire avec yo. Nous pas bâtir, nous mentir. Et nous comptons très bien, monsieur Sayo, pas de venir simplement pour tout le président. C'est toute famille qui est venue pour tout yon, mesdames, messieurs. D'après ça que nous apprenons. Donc, je dis à la, nous voyons qui bagay la bouille. En pile nèg la, pendant n'a parlé là, yon pas fouti dormi à ce là. Yon pas fouti dormi. Et n'a pas ou même capteur d'émission là. Ou même qui en Haïti. Surtout. Et bon, d'après ça que nous apprenons, monsieur, dame, dégagez-nous. Ou même qui capable de faire ti maquet tout. Ou même qui capable de faire ti réserve ou. N'ta assemblé que, eh bien, moun sa qui a supporté président Jovenel. Population lance un ultimatum là, yo pral pran la rue normal pour mande justice pour président. Et n'a avancé et Salomon ça important et n'a rappelé que la justice beaucoup de parle qui convoquer Reginald Boulos, Dimitri Vob et ainsi de suite frère. On a tout ça. Eh bien, nous dit plusieurs hommes d'affaires et des hommes politiques ont invité dans paquet dans cadre d'un dossier assassinat président République Jovenel Moïse. Dimitri Vob et Jean-Marie Vob, nous avons parlé et Reginald Boulos, Steven Benoît et Yuri Latorsi, nous les présenter dans le paquet pour auditionner autour de la mort tragique. Ça, pour le chef de l'État, nous connaissons assassiné. Séance audition a commencé et commencé faire lundi 12 juillet à 10h11h30 le matin. On a rappelé que plusieurs responsables de la sécurité présidentielle, dont Dimitri Erra, également invité dans le parquet dans le cadre de ce temps, a dit nous, la justice haïtienne, nous commençons et bien des deux trois tapes à côté, invité plusieurs hommes d'affaires et surtout des hommes politiques, maintenant, tant pour commissaire gouvernement, nous convoquer, et pas beaucoup de parler de pour convoquer un, Dimitri Erra, et même le convoquer pour 14 ans, c'est pas seulement Dimitri Erra, inspecteur principal, nous n'avons pas les qui sont à 4 Amazon Paul,
éducation dans Katina, n'attend tout pour convoquer commissaire police en Léon Pierre Ousmane, responsable unité de sécurité par la nationale à ISPN. Parce que responsable de sécurité par la nationale à ISPN, il est plus différent que l'ISPN. Parce que l'ISPN, c'est lui-même qui contrôlait tout en dans périmètre côté président Jovenel Moïse, abdormi, manger, boire, faire tout dans l'air, c'est lui-même qui est à l'intérieur. N'attend tout pour commissaire gouvernement, il convoqué, il frappe Jean-François, inspecteur général en chef, IGPNHA. N'attend tout pour, et commissaire gouvernement, il convoqué tout, par bon côté, par, nous avons dit coordonnateur et responsable de palais et sécurité président Jovenel Moïse. Parce qu'il faut tout le monde d'ailleurs, venir répondre une question, comment faire, bah, ça fait faire, comment ça fait passer, pendant que nous connaissons, il y a un président qui fait une grosse menace, tout le monde, depuis qu'elle s'en dit, comment faire, avec facilité comme ça, pour les assaillants, à une facilité pour détruire le président, sinon, et ça, c'est le même, dit, j'ai dit, c'est pas Colombien, c'est en façon, il dit, c'est même nègre, il fallait encore que ça suive, et maintenant, c'est tout Jimmy, pour le commissaire divisionnaire civil, Jean Laguerre, coordonnateur et sécurité présidentielle, là, pour lui-même tout, pour parquet, convoquer, nous, comme on dit, tout le monde, ça, sans oublier, et maintenant, Étienne, secrétaire d'État, secrétaire publique, bon acte, là, tout le monde, ça, il faut venir répondre, question de la justice, parce que nous connaissons le président Jovenel Moïse, il fait appel avec le monde, parce que nous, Jean, la gueule, et civil, coordonnateur sécurité présidentielle, là, il a annoncé, effectivement, oui, bah, on confère, que le président Jovenel Moïse a terminé, là, à partir des zones inhumaines pour te dire, il est en danger, il est en difficulté. C'est tout ça qu'on est. Il est divisé, nous connaissons les gens civils de la guerre, lui-même, il te dit pas beaucoup de pales. Il est Dimitri Ra, il est Léandre, Pierre Ousmane, qui est responsable unité par la nationale, qui était supposé responsable en tant que président, il est inspecteur principal Amazon Paul Eddy. Il est Dimitri Ra, il est dit, il est mon président, pour dire, mais président en danger, lui-même, il était pas en route. Et la caille président, c'est pendant la première caille président, il y a des incidents qui ont été passés, Jimmy, ça veut dire, faut l'extérieur convoqué par rapport pour une temps de yo, qui ça reconnaît de la mort président, Jimmy, parce que le mort président pas arrêté comme ça, comme si il voulait approuver les affaires capitales politiques en d'après, Jimmy. Gayon bagay, nous, comme si nous pouvons trop comprendre là. Nous tendez bien, mesdames, messieurs, eh bien, yo convoqué, Yuri Latotsu, yo convoqué Dimitri Vob, Reginald Boulos, hein, Jean-Marie Vob et Steven Benoit. Mais côte Don Kato. Côte Don Kato, pour qui raison Don Kato pas paraître dans l'Islam? C'est comprendre, après c'est comprendre. Ça fait Don Kato pas sous l'ISA et de convocation. Puisque nous tout connaissons implication Don Kato, mesdames et messieurs. Ça c'est clair. Et je pense que DCPJ, monsieur, réveillez-nous, nous pas cap, à, comme si à essayer protéger qui compte là. Nous pas protéger personne et je nous dis faut que président joigne justice. Mais au-delà de ça, nous pour poursuivre, c'est important. N'a pas dit mon s'il vous plaît, pendant n'a pas info par respect, pas relez-nous s'il vous plaît. Et dans cap et premier ministre Claude Joseph, nous connaît bataille éclatée là et Salomon mesdames et messieurs, eh bien Claude Joseph mandé aide internationale, aide militaire frère. Eh bien, effectivement, oui, Jimmy, nous connaissons par rapport à la bataille qui déclenche là après la mort de Jovenel Moïse à côté. Côté Claude Joseph a été assuré, nous capables de dire, et a assuré la transition qui vient là, dans notre pays à côté de nous, Bini. La Lima qui dit que c'est Claude Joseph qui reconnaît Eliab Kébé jusqu'à ce qu'il fait élection en dans le pays. Mais par la suite, il y a un groupe d'opposition, société civile, là, ils mettent ensemble avec des concerts. Donc, on va parler de parti en deux pouvoir qui était parti PHTK, mi-juin, ensemble sur ce civil là, et bien, avec un tiré sénat, ils ont composé ensemble à côté, ils ont même demandé pour ce Joseph Lambert pour qu'il avait devenu président à la place du président Jovenel Moïse. Ils ont demandé pour ce Lambert, il nous a depuis matin, sur toutes les réseaux sociaux, il a parlé de, et un président provisoire actuel là, il est Joseph Lambert, gros bataille déclenché entre, et nous avons dit que Joseph et Lambert. Et nous connaissons Jimmy en plein moment, il dit Jovenel, pas capable d'être premier ministre en deux pays parce qu'il est président de facto, Jean-Claude Abdullah, parce qu'il m'a dit le 17 février 2021. C'est ça, les propositions te comptent toujours, dit lorsqu'il était nommé à Ariel Henry. En plein moment, il dit Ariel Henry, pas gagné dans la figure, s'il a d'accord à jeune président Jovenel Moïse pour la montée gouvernement,
nous voyons un peu les oppositions qui ont critiqué Ariel Henry en tant que nègre et KDF COP 25 ou dégoûté. Et nous voyons, je dis à là, même les oppositions qui ont critiqué Jovenel Moïse, qui ont dit Jovenel Moïse de facto, 7 février 2021, mandat finien, et bien nous voyons, et les nègres, je dis, et vous-même, il y a Kébé Ariel Henry, parce que c'est le président qui est nommé lui. Le président, il a été nommé Ariel Henry. C'est Ariel Henry qu'on connaît comme premier ministre. Mais il y a d'accord pour que c'est Lambert, Joseph Lambert pour qui président. Et bien, il y a Kébé Ariel Henry, parce que je dis c'est Jovenel qui était nommé lui. Nous, on commence à prendre les politiciens, mesdames, en plus, je dis en d'après Yadjimi. L'homme est bon pour nous. Nous, il n'y a pas les clés. L'homme n'est pas bon pour nous. Et je dis à ça, nous sommes en clair qu'il n'y a pas un pays qui a brûlé ces questions et ça fait pas que tu as brûlé. N'a pas appelé nous bien, faut que Joseph avec Léon Charles passe à ce qu'il m'a compris mon avis. Et maintenant, on va parler. Et en plus, mon Jimmy, il a parlé des questions et Léon Charles, il nous a parlé des questions que Joseph a avec Ariel Henry. Écoutez, en plus, mon Jimmy, il va connaître Jovenel en tant que président. Je dis à nous, il a supporté Ariel Henry comme premier ministre en tant que Jimmy. Ça veut dire, nous comprenons, ça veut dire. Pays à côté la privée du pays. Donc, mesdames et messieurs. Je vais vous parler de ce point ça a dit, et M. Claude Joseph a été demandé aide avec la communauté internationale, a demandé pour que tout unité et débarqué en deux pays. A été demandé avec Washington et avec l'ONU pour envoyer des troupes pour sécuriser sites stratégiques en d'un pays. Par exemple, les votants des sites stratégiques ou même connaissent par les nationales et tout encore pour là-dedans. Et bien, Jimmy nous voit écouter et Claude Joseph demandé à plus international là par rapport avec le groupe Nexaro qui s'est demandé enragé parce que vous ne pouvez pas être un vaco absoucé parce que vous dites, vous dites à la fois que vous êtes en train de se parler là. Et bien, nous voit groupe qui est sorti Jimmy et bien, malheureux. Qui est le président de Paris, comme vous même déjà le président Jovenel Moïse, l'écoute m'a dit renfort international pour lui aider pour nous protéger pour ne pas passer même gens avec le président Jovenel Moïse. Donc, n'après appelé, mesdames et messieurs, il y a des gens qui ont dit que par n'oublier Nenel Kassi. Nous pas oublier Nenel Kassi, mesdames et messieurs. Nous pas oublier Nenel Kassi. Nous pas oublier André Michel, évidemment. Nous pas oublier Yannick Joseph. Nous pas oublier Mounsayo. Mais en attendant, c'est surtout gros tête, on a parlé, hein. On a parlé justement Reginald Boulos, Dimitri Vob et Yuri La Tortue, entre autres, hein. Et nous parler de Jean-Marie Vob. Mais, et ou pas capable parler de Don Kato. L'autre yo vin après oui et André Michel Latou mon pas capable lier moun sa yo et sincèrement parce que et rapide bon qui ça va passer nous connaît Dimitri dans Maron Reginald Boulos dans Maron Salomon mesdames messieurs qui ça va passer nous est DCPJ convoqué monsieur qui ça va passer est-ce que c'est dans bêtise a passer nous ou pas qui ça t'a dû faire oui bon c'est mon Benjamin nous gère le live ben une petite explication mais pas bien. Et la fois dernière, et nous t'avons songé, et à chaque fois, le président Jovenel Moïse est là, il a convoqué, il a convoqué Reginald Boulos, nous avons battu les pieds, il a été convoqué Dimitri Vob, il a battu les pieds, est-ce que qu'on y a pendant qu'il y a un pays à l'Ilagali même seul pour ce que Jimmy, est-ce que nous pensons que nous ne pas être têtu, et déjà, va en Haïti déjà. C'est Interpol, techniquement, nous comptons très bien, il pas présenté. Yo pas présenté, yo pas de problème. C'est la justice haïtienne. Même Jean-Noël Claude Joseph mandé aide à l'international pour l'armée et pour intervention militaire, et bien pour que Claude Joseph prenne responsabilité, la gagne Interpol des bandits ça yo parce que nous connaissons que yo pas présenté. Au cas. Puis si yo pas présenté yo de toute façon, nous que la justice haïtienne tout parce que me connais gagne équipe team c'est qui Miami, gagne équipe team c'est qui New York, nous connais yo. Nous cap gagne justice créole là tout. Donc Kroll parle, Kroll comprenne. Et Nape Salomon Kebeling dans quelques secondes, le temps que nous saluons la nôle, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, m'appelez nous, quittez nous, faites travail, là, parce que tout le monde qui a pris nous, dans le moment ça, Nape dit nous, dans le moment qui m'a prouvé les nous, Nape dit nous, ma bonne autorisation, mais pour l'instant, quittez nous frapper. La nôle, et nous saluons, frère. Justement, et bonjour Dimi, bonjour Salomon, bonjour tout auditeur, auditeur, mon Afebo TV. Encore une fois, nous comptons, rejoignez nous, mes amis, frère Semyo. Et bien, Jimmy, information qui tombe là, même Jean-Salomon a déjà annoncé ça. Et bien, gagné, et gros information qui tombe là, et bien, concernant, et bien, révélation qui fait sur qui est ce monde qui t'a assassiné, président Jovenel, avec propre main par lui. Mais nous avons gagné, justement, James Solage, et bien, qui t'a avoué que c'est lui-même. Mais la question qui se pose, est-ce que vraiment c'est lui-même qui fait avec propre main par lui vraiment? Est-ce que c'est pas un, et est-ce que ça fait un fait, monsieur, accepter de dire c'est lui-même? Nous connaissons tout Colombien, ça y est.
et nous nous porter information concernant et James Solage là et n'a pas l'autre haïtien américain qui c'est Olivier Jean-Pran. Et bien James Solage qui est lié mes amis des médias internationaux qui parlait sous l'identité de monsieur Sayo qui ça fait comme travail qui actuellement là. Et bien James Solage c'est lui même qui était en charge de sécurité sur Genève. Les médias qui parlait là, James Solage, in charge of security for Sojourner, c'est lui qui était en charge de sécurité pour Sojourner, et puis qui est actuellement là, il s'est employé Nissan. Donc Nissan, nous connaissons Nissan, c'est pour Reginal Boulos, et encore une fois, nous gagnons également Olivier Jatin. Nous avons parlé qui est-ce qui est Olivier Jatin. C'est lui-même, Olivier Jatin, aka sexy, et bien, il était arrêté sous gouvernement. Il était arrêté pour voler machine avec dossier drogue sous gouvernement Aristide là. Et bien, après départ Aristide, il était fait partie d'un team sécurité pour Yuri La Tortue. Alors, monsieur travaille dans la compagnie sécurité Yuri La Tortue. Et bien, en 2004, après départ Aristide, monsieur était venu accompagné de Né La Tortue. Et puis, Gérard La Tortue également. Monsieur était sous gouvernement Gérard La Tortue. Et puis, monsieur, c'est lui-même qui est responsable acheter des armes pour Yuri La Tortue. D'après les médias internationaux qui a peine bail lui là. Bien, les médias internationaux, ils ont aussi des vérités. On va pas gosser des vérités, mais ils ont gagné au bail les gens là. Alors, c'est gosser des médias locaux qui ont déjà à boxer dossier ou pas blé bail ou bien. Donc, Olivier Jean-Pran, AK Sexy, was arrested for car theft and drug under the presidency of Aristide. He was part of the special security team under the direct order of Yuri La Tortue. C'est ça au bail. Et puis, nous dit, en 2004, c'était arrivé en Haïti, il était fait partie, et bien, team sécurité Yuri La Tortue. Mais actuellement là, qui ça, monsieur, qui n'a qui poste, qui responsabilité gagne actuellement là, dans le moment ça, monsieur, c'est lui-même qui est responsable acheter des armes pour compagnie sécurité Yuri La Tortue, et ça seulement pour compagnie sécurité pour gagner Yuri La Tortue tout. Et puis après la gosse des cargaisons qui qu'on a porté dans le pays, lui même pas jamais fait, eh bien, lui même pas jamais de compte fait, enquête pas jamais qu'on révèle qui ça dit comme suivi, eh bien, n'a pas le Olivier Jean-Pran, eh bien, c'est ça qui parle les médias internationaux, qui parle toute vérité sous l'identité des haïtiens américains, ça y est, et n'a pas appelé James Solage lui-même. Qui tape travail eh bien, avec Reginal Boulos actuellement, qui tape travail dans Nissan. Donc, Nissan, c'est pour Reginal. Donc, mes amis, Reginal Boulos, Yuri La Tortue, ils ont impliqué très fort dans l'assassinat Jovenel Moïse. Et à travers surtout des agents de sécurité, des workers qui se détruisent, des gens qui travaillent avec eux, qui rejoignent le Fouquet dans le dossier de l'homme Jovenel Moïse. Ah, mes amis, Yuri La Tortue, Reginal Boulos, Dimitri Vob, pagé ou pas bois, eh bien, monsieur, je jeune preuve, monsieur, impliqué dans la mort, président Jovenel, et bien, qu'on est monsieur Saogin pour yo, et présenté devant la justice, peuple là, mes amis, si nous avons passé ça, lui, pendant le bar, passé ça, lui, bah, vous, nous avons fait violence, non, mais si nous avons passé ça, lui, pendant le paquet, passé ça, lui, dit bonjour, comment nous y est, dit bonsoir, comment nous y est, vous comprenez? Donc, mes amis, mes détails, concernant, monsieur, des haïtiens américains, c'est vrai, l'autre monsieur qui c'est colombien, nous pouvons gagner trop révélations qui fait de eux, mais nous parlons de deux messieurs ça, qui c'est James Solange, Olivier Jean-Pran, ben nous connaissons, nous pas experts en espagnol, mais si pas nous parler même langue avec nous, mais qui ça dit, mais qui ça dit, c'est que tu es président, la part de James Solange, et tout d'après médias internationaux, d'après information qui sortit, monsieur, mais qui attribue ce que dans le pays avant d'être assassiné par des Jovenel, ça que tu travailles à Dimitri, ça que tu travailles avec Boulos, ça que tu travailles avec Yuri La Tortue, qui est responsable d'acheter des armes, eh bien, maintenant qui comprend nous prendre. Mesdames, messieurs, dégagez-nous, contre qui ça n'a fait. Non seulement la justice, mais la justice créole tout dit, et la justice populaire là tout, nous sommes agir. Dans le cadre et opération que la police a menée, nous connaissons le président qui est arrivé mourir mercredi 7 juillet. Ça fait en pile parler, en pile, et bien nous sommes capables de dire, et James et Solage. Et il a avoué là, t'as avoué, et comme si c'est lui-même qui t'a exécuté ancien chef d'État en parlant de Jovenel Moïse. C'est dans toute information qui t'a sorti dans des CPJ.
Oui, là nous dit James Solo pour monde qui pas habité à non, et bien c'est citoyen ça va regarder là, c'est soi-disant haïtien américain. Mais m'a dit non mesdames messieurs, attention, faut nous prudent avec info yo, pas oublier que monsieur ça qui est en train dans pays, c'est un paquet expert que yo est. Là yo en train dans pays comme ça, yo gen plan A, yo gen plan B, yo gen plan C, yo gen plan D pour pas dire E, yo chargé plan pour si jamais bagay yo ta mal tourné, hein? Pour yo gata gen comment ça va le passer. Vous comprenez? Donc ou même ouvrez yo. Jodi a la nou nan DCPJ, eh bien haïtien qui déclare que c'est les mêmes qui tire sous président et de façon formelle, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas dans plan? Est-ce que c'est parce que c'est pas parce que bagala vinn trop pour lui comme c'est haïtien li courir dit c'est lui? Nous pas connaît. Mais attention, tout ça ou fait partie des plans mesdames messieurs, Jean Noudou. Et n'a ouvrez yeux nous et n'a veillé en haut, n'a veillé en bas, n'a continué demander justice pour président Jovenel Moïse. Ça extrêmement important, mesdames, messieurs. N'a poursuivre avec Foyo, mais Salomon, et qui est-ce qui est citoyen ça, Foyo, pour le monde qui ne connaît pas? Et James Solage, c'est négat et qui sorti dans le département sud-est, non capable de parler et papa là, et non capable de dire qu'il était magistrat. Nous capables de dire, et sous régime matériel, par rapport à nous connaissons, l'homme dit, c'est magistrat, pas élu, la salité nommée, nous connaissons magistrat, il est nommé, et responsable, et commune, ne quitte pas intérieur, et même papa, nous capables de dire, c'est une mère, et nous capables de dire, dans un jardin là. Nous convidons au côté de James Solage, qui a débarqué en Haïti, qui a fait don avec Simon, il t'a dit, c'est bon Dieu, vous êtes là, là, c'est travail bon Dieu. Et bien, nous, à côté de travail, bon, j'ai arrivé, lui-même, n'arrivé, n'a dû être impliqué dans la question, dans la fête, sur le président, pendant qu'il était entré en Haïti, Jimmy. Il était venu faire bon, il était venu là, comme quoi, il était dans la diaspora, il venu remettre chaque approche balé dans la zone, j'appelais Jimmy. Pourtant, c'est bluffé, lui. Pourtant, nous, je veux dire, j'aime cela, j'étais descendu quand on passait, côté passé, qui était à l'école, et je veux dire, nous, dans qui situation, j'aime dans, Solage, les Jimmy, c'est un haïtien vraiment qui sont américains qui d'origine haïtienne du Jimmy. Nous, comme on dit, James Solage, citoyen, ça n'a pas gardé là du Jimmy, c'est lui-même qui t'a avoué tête par DCPJ, comme quoi c'est un homme qui t'a détruit président Jovenel Moïse dans le cadre d'un complot assassin qui t'a monté pour te, qui t'a monté pour te tuer, détruit et ancien président Jovenel Moïse Jimmy. Oui, je nous dis là, mesdames, messieurs, faut nous prudents, en pile, faut nous faire attention. Et, monsieur Sayo, c'est expert, yo, pas oublier, yo, faut connaître que yo pas de venir pour tout le président Jovenel pendant ce temps. Équipe ZAM, yo, équipe munitions, yo, équipe série et engins lourds, qui sont de venir faire avec yo. Nous pas baisser tête, nous mentir. Et nous comptons très bien, monsieur Sayo, pas de yo pas de venir simplement pour tout le président. C'est toute famille qui est venue pour tout, mesdames, messieurs. D'après ça que nous apprenons. Donc, je dis à la, nous voyons qui bagay la bouille. En pile nègre là, pendant n'a parlé là, yon pas fouti dormi à ce là. Yon pas fouti dormi. Et n'a pas ou même qui a fait l'émission là, ou même qui en Haïti, surtout. Et bon, d'après ça que nous apprenons, monsieur, dame, dégagez-nous, ou même qui est capable de faire ti maquet tout, ou même qui est capable de faire ti réserve ou, m'ta assemblé que, eh bien, moun sa qui a supporté le président Jovenel. Population lance un ultimatum là, yo pral pran la rue normal pour mande justice pour président. Et n'a avancé et Salomon ça important et n'a pral appliquer la justice Bogo de Pal qui convoquer Reginald Boulos, Dimitri Vob et ainsi de suite frère. On a tout ça. Eh bien, nous dit plusieurs hommes d'affaires et des hommes politiques ont invité dans paquet dans le cadre d'un dossier assassinat président de la République Jovenel Moïse. Dimitri Vob et Jean-Marie Vob, nous avons parlé et Reginald Boulos, Steven Benoît et Yuri Latorsin, nous les présentons dans le paquet pour auditionner autour de la mort tragique. Pour le chef de l'État, nous connaissons assassiné. Séance audition a commencé et commencé faire lundi 12 juillet à 10h11h30 le matin. Nous avons vu que plusieurs responsables de la sécurité présidentielle, dont Dimitri Erra, également invité dans le parquet dans le cadre de ce temps, elle dit nous, la justice haïtienne, nous commençons et bien des deux trois tapes à côté, invité plusieurs hommes d'affaires et surtout des hommes politiques, maintenant, tantôt pour commissaire gouvernement, nous convoquer, et pas pour côté par le Dimitri, pour convoquer un, Dimitri Erra, et même le convoquer pour 14 ans, et pas seulement Dimitri Erra, inspecteur principal, nous n'a pas les qui sont à 4 ans, Amazon Paul. Et dit que son avocat, nous avons tout pour convoquer le commissaire police, Léon Pierre Haussmann,
responsable unité sécurité nationale la ISPN. Parce que responsable sécurité nationale la ISPN, il est plus différent que l'IRGPN. Parce que l'ISPN, c'est lui-même qui contrôlait tout en dans périmètre côté président Jovenel Moïse, abdormi, manger, boire, fait tout dans l'air, c'est lui-même qui est à l'intérieur. N'absent tout, pour commissaire gouvernement, les convoquer, il faut Jean-François, inspecteur général en chef, IGPNH. N'absent tout pour, et commissaire gouvernement, les convoquer tout, par bon côté, par nous capables de coordonnateur et responsable de parler et sécurité président Jovenel Moïse. Parce qu'il faut tout le monde taille, venir répondre aux questions, comment faire, bah, ça fait faire, comment ça fait passer. Pendant que nous connaissons, il y a un président qui fait une grosse menace sous deux depuis que temps du mien, comment faire avec facilité comme ça pour les assaillants à une facilité pour détruire le président. Sinon, et ça, c'est le même dit, j'ai dit, c'est pas colombien, c'est en façon, il dit, c'est même nègre qui fallait encore traduire. Et maintenant, c'est tout du mien pour le commissaire divisionnaire civil, Jean Laguerre, coordonnateur et sécurité présidentielle là pour lui-même tout, pour parquet, convoquer, nous, tout le monde ça, sans oublier. Et maintenant, Étienne, secrétaire d'État, secrétaire public, bon Zagdé, là, tout le monde a dit, mais il faut venir répondre à la question de la justice, parce que nous connaissons le président Jovenel Moïse, il fait appel avec Montaro, parce que nous, les gens, la guerre et civile, coordonnateur de sécurité présidentielle, là, il a annoncé effectivement, oui, bah, on confère que le président Jovenel Moïse a terminé là, à partir des zones inhumaines, pour te dire, il est en danger, il est en difficulté, c'est tout ça qu'on est. Il est dit, nous connaissons Jean Civil la guerre, lui-même, il était dit par beaucoup de fans, il est Dimitri Ra, il est le Dimitri Ra, il est Léand, Pierre Ousmane, qui est responsable de l'unité par la nationale, qui était supposé responsable en tant que président, il est l'inspecteur principal Amazon Paul Eddy, il est Dimitri Ra, il est dit, il est le monde président pour dire, mais président en danger, lui-même, il était pas en route. Et la caille président, cependant, la première caille président, il est dans des incidents, c'est quand on passé, Jimmy. Ça veut dire, Fort Nectar convoqué par rapport pour 20 ans de yo, qui ça reconnaît de la mort président du Mé, parce que le mort président pas arrêté comme ça, comme si vous n'êtes pas pour les affaires capitales politiques en d'après. Gayon bagay, nous comme si nous pouvons trop comprendre là. Nous tendez bien, mesdames, messieurs. Eh bien, yo convoqué, yo relato dessus. Yo convoqué Dimitri Vob, Reginald Boulos, hein, Jean-Marie Vob, et Steven Benoît. Mais, côte Don Kato. Côte Don Kato, pour qui raison Don Kato pas paraître dans l'Islam? C'est comprendre, après c'est comprendre. Ça fait Don Kato pas sous l'Issa et de convocation. Puisque nous tous connaissons l'implication Don Kato, mesdames et messieurs. Ça c'est clair. Et je pense que DCPJ, monsieur, réveillez-nous, nous pas comme si essayer de protéger qui compte là. Nous pas protéger personne et je nous dis faut que président joigne justice. Mais au-delà de ça, nous pourrons poursuivre, c'est important. N'a pas dit mon s'il vous plaît, pendant n'a pas info par respect, pas relé nous s'il vous plaît. Et dans cap et premier ministre Claude Joseph, nous connaît bataille éclatée là et Salomon mesdames et messieurs, eh bien Claude Joseph mandé aide internationale, aide militaire frère. Eh bien, effectivement, Jimmy, nous connaît par rapport à la bataille qui déclenche là après la mort de Jovenel Moïse à côté. Yon bon côté Claude Joseph a été assuré, nous capables de dire, et a assuré transition qui vient là, dans tête pays à côté de nous, Bini. La Lima qui dit que Claude Joseph qui reconnaît Eliab Kébé jusqu'à ce qu'il fait élection en d'un pays. Mais par la suite, il y a un groupe d'opposition, société civile, là, ils mettent ensemble avec des concerts. Nous, quand on va parler de parti en deux pouvoirs qui étaient parti PHTK, mi-juin, ensemble avec, ensemble, société civile, là, et bien, avec un tiré sénat, ils ont composé ensemble, à côté, ils ont même demandé pour ce Joseph Lambert pour qu'il devienne président à la place du président Jovenel Moïse. Ils ont demandé pour ce Lambert, il nous a depuis matin, sur toutes les sociaux, il a parlé de, et en président provisoire actuel, là, il est Joseph Lambert, gros bataille déclenché entre, et nous avons dit que Joseph et Lambert. Et nous connaissons Jimmy en plein monde, dit Jovenel, pas capable d'être premier ministre en deux pays parce qu'ils sont présidents de facto, Jean-Claude Abdila, parce qu'il mandat est fini le 17 février 2021. C'est ça, l'opposition te compte toujours à dire lorsqu'il était nommé à Ariel Henry. En plus, on te dit Ariel Henry, par exemple, s'il a d'accord à jeune président Jovenel Moïse pour la montée gouvernement,
nous voyons un peu les propositions à critiquer Ariel Henry en tant que nègre et KDF COP 25 ou dégoûté. Et nous voyons, je dis à là, même les propositions à critiquer Jovenel Moïse, qui a dit Jovenel Moïse de facto 7 février 2021 mandat le plénier, et bien nous voyons, et nègre à eux, je dis, et nous-mêmes, il y a Kébé Ariel Henry, parce que c'est le président qui est nommé lui. Président Jovenel Moïse est nommé Ariel Henry, c'est Ariel Henry qu'on connaît comme premier ministre. Mais il y a d'accord pour c'est Lambert, Joseph Lambert pour qui président, et bien RTB Ariel Henry, parce que je dis c'est Jovenel qui était nommé. Nous recommandons en plus les politiciens, mesdames, en plus, je dis en d'après Yadimi, l'OE va la bon pour nous, nous ne voyons pas les clés, l'OE va la pas bon pour nous, et je dis à ça, nous sommes en clair, qui ne fallait pas être qui t'a brûlé ces questions, et ça fait pas que t'as brûlé. N'a pas appelé nous bien, faut que Joseph avec Léon Charles, pas j'ai appelé, il m'a compris, mon ami. Et maintenant, on va parler. Et en plus, mon Jimmy, il a parlé de questions et Léon, et il nous a parlé de questions que Joseph a avec Ariel Henry. Écoutez, en plus, mon Jimmy, il va connaître Jovenel en tant que président. Je dis à nous, il a supporté Ariel Henry comme premier ministre en tant que Jimmy. Ça veut dire, nous comprenons, ça veut dire que il y a côté la privée du. Donc, mesdames et messieurs. Mais nous avons dit, sous point ça, on a dit, et mais Claude Joseph a été demandé aide avec la communauté internationale, là, demandé pour près tout unité et débarqué en deux pays. A été demandé avec Washington et avec l'ONU pour voir des troupes pour sécuriser sites stratégiques en deux pays. Par exemple, les votants des sites stratégiques ou même connaissent par les nationales et tout encore pour là-dedans. Et bien, du même nouveau côté, et Claude Joseph demandé à plus international là par rapport avec le groupe Nescaro qui finement enragé parce que beaucoup pas quelqu'un va absoucer parce qu'il vous dit, je dis à la fois qu'il vient tout en train de tout parler là. Et bien, nous, le groupe sorti du mi, et bien, malheureux, qui est le conseil de Paris, comme vous, même déjà, le président Jovenel Moïse, lui, courir, m'a dit, renfort international, là, pour lui, aide, pour lui, protéger, pour ne pas passer, même déjà, avec le président Jovenel Moïse. Donc, et n'a pas rappelé, mesdames, messieurs, et Gémoun qui a dit que, et pas n'oublier Nenel Kassi, non pas qu'oublier Nenel Kassi, mesdames, messieurs, non pas qu'oublier Nenel Kassi, non pas qu'oublier André Michel, évidemment, non pas qu'oublier et Yannick Joseph, non pas oublier Mounsayo, mais en attendant, c'est surtout, et gros tête, on a parlé, hein, on a parlé justement Reginald Boulos, Dimitri Vob, et Yuri Latortue, entre autres, hein, et nous parler de Jean-Marie Vob, mais, et ou pas capable parler de Don Kato. L'autre yo vin après oui et André Michel Latou mon pas capable lier moun sa yo et sincèrement parce que et rapide bon qui ça k'a passé nous connaît Dimitri nan Maron Reginald Boulos nan Maron Salomon mesdames messieurs qui ça k'a passé nous est DCPJ convoqué monsieur qui ça k'a passé est-ce que c'est dans bêtise y'a passé nous ou pas qui ça t'a dû faire oui bon c'est qui nous dit nous gère le live ba une petite explication mais pas bien. Et la fois dernière, et nous t'avons songé, et à chaque fois, le président Jovenel Moïse est là, il a convoqué, il a convoqué Reginald Boulos, nous avons battu les pieds, il a convoqué Dimitri Vob, il a battu les pieds, est-ce que qu'on y a pendant qu'il y a un pays à l'Ilagali même seul pour ce qui est-ce que nous pensons que nous ne pouvons pas être et déjà, on va en Haïti déjà. C'est Interpol, techniquement, nous comptons très bien, pas présenter. Yo pas présenté, yo pas de problème. C'est la justice haïtienne. Même Jean-Noël Claude Joseph mandé aide à l'international pour l'armée et pour intervention militaire, et bien pour que Claude Joseph prenne responsabilité, la gagne Interpol des bandits ça yo parce que nous connaissons que pas présenté. Au cas. Puis si yo pas présenté de toute façon, nous que la justice haïtienne tout parce que me connais grand équipe team c'est qui Miami, grand équipe team c'est qui New York, nous connais yo. Nous cap gagne justice créole là tout. Donc Kroll parle, Kroll comprenne. Et Nape Salomon Kebeling dans quelques secondes, le temps que nous saluons la nôle, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, m'a demandé nous, quittez nous faire travail, là, parce que tout le monde qui a pris nous, dans le moment ça, n'a dit nous, dans le moment qui m'a ouvert l'ignon, m'a dit nous, m'a bonne autorisation, mais pour l'instant, quittez nous frapper. La nôle, et nous saluons, frère. Justement, et bonjour Dimi, bonjour Salomon, bonjour tout auditeur, auditeur, mon Afebo TV. Encore une fois, nous comptons rejoindre nous, mes amis, frère Semyo. Et bien, dis-moi, information qui tombe là, même Jean-Salomon a déjà annoncé ça. Et bien, gagné, et gros information qui tombe là, et bien, concernant, et bien, révélation qui fait sous qui est ce monde qui t'a assassiné, président Jovenel, avec propre main pali, mais nous avons gagné justement James Solage, et bien, qui t'a avoué que c'est lui-même, mais la question qui se pose, est-ce que vraiment c'est lui-même qui fait avec propre main pali vraiment? Est-ce que c'est pas un. Et est-ce que ça fait ouvrir, mais c'est accepté, dit c'est lui-même? Nous connaissons tout Colombien, ça y est. Et nous portons information concernant
et James Solage là et n'a pas l'autre haïtien américain qui c'est Olivier Jean-Pran. Et bien James Solage qui est lié mes amis des médias internationaux qui parlait sous l'identité de monsieur Sayo qui ça fait comme travail qui actuellement là. Et bien James Solage c'est lui même qui était en charge de sécurité sous-génère. Les médias qui parlait là, James Solage, in charge of security for Sojourner, c'est lui-même qui était en charge de sécurité pour Sojourner, et puis qui lien actuellement là, il s'est employé Nissan. Donc Nissan, nous connaissons Nissan, c'est pour Reginald Boulos, et encore une fois, nous gagnons également Olivier Jatin. Nous allons parler qui est-ce qui Olivier Jatin. C'est lui-même, Olivier Jatin, aka sexy, et bien, il était arrêté sous gouvernement. Il était arrêté pour voler machine avec dossier drogue sous gouvernement Aristide là. Et bien, après départ Aristide, il était fait partie d'un team sécurité pour Yuri La Tortue. Alors, monsieur a travaillé dans la compagnie sécurité Yuri La Tortue. Et bien, en 2004, monsieur était, après départ Aristide, monsieur était venu accompagné de Né La Tortue. Et puis, Gérard La Tortue également. Monsieur était sous gouvernement Gérard La Tortue. Et puis, monsieur, c'est lui-même qui est responsable acheter des armes pour Yuri La Tortue. D'après les médias internationaux qui a peine bail là. Bien, les médias internationaux, ils ont aussi des vérités. On va gosser des vérités, mais ils ont aussi des gens là. Alors, c'est gosser des médias locaux qui ont déjà à boxer dossier ou pas les bails bien. Donc, Olivier Jean-Pran, aka sexy, was arrested for car theft and drug under the presidency of Aristide. He was part of the special security team under the direct order of Yuri La Tortue. C'est ça, Obaye. Et puis, nous dit, en 2004, c'était arrivé en Haïti, il était fait partie, et bien, team sécurité Yuri La Tortue. Mais actuellement là, qui ça, monsieur, qui responsabilité gagne actuellement là, dans le moment ça, monsieur, c'est lui-même qui est responsable acheter des armes pour compagnie sécurité Yuri La Tortue, et ça seulement pour compagnie sécurité pour gagner Yuri La Tortue tout. Et bien après la gosse des cargaisons qui qu'on a porté dans le pays, lui même pas jamais fait, et bien lui même pas jamais de compte fait, enquête pas jamais qu'on révèle qui ça dit comme suivi. Et bien n'a pas le Olivier Jean-Pran, et bien c'est ça qui parle les médias internationaux qui parle toute vérité sous identité des haïtiens ou américains ça, et n'a pas appelé James Solage lui même qui tape travail, eh bien, avec Reginald Boulos, actuellement, qui tape travail dans Nissan. Donc, Nissan, c'est pour Reginald. Donc, mes amis, de Reginald Boulos, Yuri La Tortue, ils ont impliqué très fort, dans l'assassinat Jovenel Moïse. Et à travers, surtout, des agents de sécurité, des workers, qui se deux qui travaillent avec eux, qui ont joué, ils ont foqué dans le dossier, là, moi, Jovenel Moïse. Ah, mes amis, Yuri La Tortue, Reginald Boulos, Dimitri Vob, pas ou pas bois, eh bien, monsieur, yo jen preuve, monsieur, impliqué dans la mort, président Jovenel, et bien, qu'on est monsieur, ça ou bien pour yo, et présenté devant la justice, peuple là, mes amis, si nous avons passé ça, lui, pendant le bar, passé ça, lui, bah, vous, nous avons fait violence, non, mais si nous avons passé ça, lui, pendant le paquet, passé ça, lui, dit bonjour, comment nous y est, dit bonsoir, comment nous y est, vous comprenez? Donc, mes amis, mes détails, yo, concernant, monsieur, des haïtiens américains, yo, c'est vous l'autre monsieur qui c'est colombien. Nous pouvons gagner trop révélations qui fait de eux, mais nous parlons de deux messieurs ça qui c'est James Solange, Olivier Jean-Pran. Eh bien, nous connaissons, nous pas experts en espagnol, mais qui parle nous pas les mêmes langues avec nous, mais qui ça dit, mais qui ça dit c'est que tu es président, la part de James Solange, et tout d'après médias internationaux, d'après information qui sortit, monsieur, mais qui attribue ce truc dans le pays avant d'être assassiné par des Jovenel, ça que tu travailles à Dimitri. Ça que tu travailles avec Boulos, ça que tu travailles avec Yuri La Tortue, qui est responsable d'acheter des armes, eh bien, maintenant qui comprend nous prendre. Mesdames, messieurs, dégagez-nous, contre qui ça n'a fait. Non seulement la justice, mais la justice créole tout dit, et la justice populaire là tout, nous avons agi. Dans le cadre et opération que la police a mené, nous connaissons le président qui est arrivé mourir mercredi 7 juillet, ça fait en pile parler, en pile, et bien nous avons dit, Dimi, et James et Solage. Et il va lui avouer, là, t'as avoué, et comme si c'est lui-même qui t'a exécuté ancien chef d'État en parlant de Jovenel Moïse. C'est dans toute information qui t'a sorti dans des CPJ.
Oui, là nous dit James Solo pour monde qui pas habité à non, et bien c'est citoyen ça va regarder là, c'est soi-disant haïtien américain. Mais m'a dit non mesdames messieurs, attention, faut nous prudent avec info yo, pas oublier que monsieur ça qui est en train dans pays, c'est un paquet expert que yo est. Là yo en train dans pays comme ça, yo gen plan A, yo gen plan B, yo gen plan C, yo gen plan D pour pas dire E, yo chargé plan pour si jamais bagay yo ta mal tourné, hein? Pour yo gata gen comment ça va le passer. Ou comprenez? Donc ou même ouvrez yo. Jodi a la nou nan DCPJ, eh bien haïtien qui déclare que c'est lui même qui tire sous président et de façon formelle, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas dans plan? Est-ce que c'est pas parce que bagay la vin trop pour lui? Comme c'est haïtien li courir dit c'est lui, nous pas connaît. Mais attention, tout ça ou fait partie des plans mesdames messieurs, Jean Noudou. Et n'a ouvrez yeux nous et n'a veillé en haut, n'a veillé en bas, n'a continué à demander justice pour président Jovenel Moïse. Ça extrêmement important, mesdames, messieurs. N'a poursuivi avec un foyer, mais Salomon, et qui est-ce qui est citoyen ça, frère, pour le monde qui ne pas connaît? Et James Solage, en Sénégal, et qui sorti dans le département sud-est, nous capable de parler et papa là, et nous capable de dire qu'il était magistrat. Nous capables de dire, et sous régime matériel, par rapport à nous connaissons, l'homme dit, c'est magistrat, il n'y a pas de la salité nommée, nous connaissons magistrat, il est nommé, et responsable commune, ne quitte pas intérimaire, et même par rapport à ce que nous capables de dire, c'est une nommée, et nous capables de dire, dans une zone de la mer. Nous avons vu le côté de James Solage, qui a débarqué en Haïti, qui a fait don avec Simon, il a dit, c'est bon Dieu, il voit là, il a fait travail bon Dieu. Et bien, nous, à côté de travail, bon, j'ai arrivé, lui-même, arrivé, doit être impliqué dans la question, dans la affaire, sur le président, pendant qu'il était entré en Haïti, Jimmy. Il était venu faire bon, il était venu là, comme quoi, il était dans la diaspora, il venu remettre chaque approche balé dans la zone Jacques-Mère, Jimmy. Pourtant, c'est bluffé, pourtant, nous, je veux dire, James Solage, il descend quand on passait, côté passé, qui était à l'école, et je veux dire, nous, dans quelle situation, James, Solage, lui, mais c'est un haïtien vraiment qui sont américains qui d'origine haïtienne du mien. Nous avons dit James Solage, citoyen, ça n'a pas gardé là du mien. C'est lui-même qui t'a avoué tête par DCPJ, comme quoi c'est un homme qui t'a détruit président Jovenel Moïse dans le cadre d'un complot assassin qui t'a monté pour te, qui t'est monté pour te tuer, détruire et ancien président Jovenel Moïse. Oui, je nous dis là, mesdames, messieurs, faut que nous prudents, en pile, faut que nous fassions attention. Et, monsieur Sayo, c'est expert, yo, pas oublier, yo, faut qu'on ait que yo pas de venir pour tout le président Jovenel. Pendant ce temps, équipe ZAM, yo, équipe munitions, yo, équipe série de, engins lourds, qui sont de venir faire avec yo. Nous pas bâtir, nous mentir. Et nous comptons très bien, monsieur Sayo, pas de yo pas de venir simplement pour tout le président. C'est toute famille qui est venue pour tout yé, mesdames, messieurs. D'après ça que nous apprenons. Donc, je dis à la, nous qui bagay la bouille. En pile nèg la, pendant n'a parlé là, yon pas fouti dormi à ce là. Yon pas fouti dormi. Et n'a pas ou même qui a pte l'émission là. Ou même qui en Haïti. Surtout. Et bon, d'après ça que nous apprenons, monsieur, dame, dégagez nous. Ou même qui capable de faire ti maquette ou. Ou même qui capable de faire ti réserve ou. M'ta assemblé que, eh bien, moun sa ou qui a supporté président Jovenel. Population lance un ultimatum là, yo pral prend la rue normale pour demander justice pour président. Et n'a avancé et Salomon ça important et n'a pas appliqué que la justice beaucoup de parle qui convoquer Reginald Boulos, Dimitri Vob et ainsi de suite frère. On a tout ça. Eh bien, nous dit plusieurs hommes d'affaires et des hommes politiques ont invité dans paquet dans le cadre d'un dossier assassinat président de la République en Jovenel Moïse. Dimitri Vob et Jean-Marie Vob, nous avons parlé et Réginal Boulot, Sylvain Benoît et Yuri Latorsin, nous les présentons dans le paquet pour auditionner autour de la mort tragique. Pour le chef de l'État, nous connaissons assassiné. Séance audition a commencé et commencé faire lundi 12 juillet à 10h11h30 le matin. Nous avons vu que plusieurs responsables de la sécurité présidentielle, dont Dimitri Vob, également invité dans le parquet dans le cadre de ce temps, elle dit nous, la justice haïtienne, nous commençons et bien des deux trois tapes à côté, invité plusieurs hommes d'affaires et surtout des hommes politiques, maintenant, tant pour le commissaire gouvernement, nous convoquer, et pas bon côté par le Dimitri, pour convoquer un Dimitri Era, et même le convoquer pour 14 ans, et pas seulement Dimitri Era, inspecteur principal, nous n'a pas les qui sont à 4 ans, Amazon Paul. Et dit que son cas, nous avons tout pour convoquer le commissaire police, Léon Pierre Haussmann,
responsable unité sécurité par nationale, la ISPN. Parce que responsable sécurité par nationale, la ISPN, il est plus différent que l'ISPN. Parce que l'ISPN, c'est lui-même qui contrôlait tout en dans périmètre côté président Jovenel Moïse, a dormi, mangé, boire, fait tout d'après l'être, c'est lui-même qui est à l'intérieur. N'absent tout, pour commissaire gouvernement, il est convoqué, il frappe Jean-François, inspecteur général en chef IGPNHA. N'absent tout pour. Et commissaire gouvernement, il convoqué tout, par bon côté, par le coordonnateur et responsable de palais et sécurité président Jovenel Moïse. Parce qu'il faut tout le monde à eux, venir répondre à une question, comment faire bah, ça fait, comment ça fait passer, pendant que nous connaissons le président qui fait une grosse menace sous deux, depuis qu'elle s'en dit, comment faire avec facilité comme ça, pour les assaillants, à une facilité pour le détruire le président. Sinon, et ça, c'est le mélange, j'ai dit, c'est pas Colombien, c'est en façon, il dit, c'est même nègre qui parlait encore de la sécurité. Et maintenant, on peut dire, pour le commissaire divisionnaire civil, Jean Laguerre, coordonnateur et sécurité présidentielle, là, pour lui-même tout, pour parquet, convoquer, nous, comme on dit, tout le monde, ça y est, sans oublier, et maintenant, Étienne, secrétaire d'État de la sécurité publique, bon, ça y est, là, tout le monde, ça y est, il faut venir répondre, question de la justice, parce que nous connaissons le président Jovenel Moïse, il fait appel avec le monde, parce que nous, les gens, la guerre est civile, coordonnateur de sécurité présidentielle là, il a annoncé effectivement, oui, bah, on confère que le président Jovenel Moïse a terrené là, à partir des zones inhumaines pour te dire, il est en danger, il est en difficulté. C'est tout ça qu'on est. Il est divisé, nous connaissons les gens civils de la guerre, lui-même, il te dit pas beaucoup de phrases. Il est Dimitri Ra, il est le Dimitri Ra, il est Léandre Pierre Ousmane, qui est responsable de l'unité par la nationale, qui est supposé responsable en tant que président, il est l'inspecteur principal Amazon Paul Eddy, il est Dimitri Raza Eddy, il est le monde président de l'UE pour dire, mais président en danger, lui-même, il était pas en route. Et la CAI président, cependant, la première CAI président, il est un incident, c'est quand temps passé, Jimmy, ça veut dire, faut l'extérieur convoqué par rapport pour l'unité de l'UE, qui ça reconnaît de la mort président, Jimmy, parce que, non, mon président, pas qu'à arrêter comme ça, comme si vous voulez, après les affaires capitales politiques en d'appréhension. Gayon bagay, nous, comme si nous pouvons trop comprendre là. Nous tendez bien, mesdames, messieurs. Eh bien, yo convoqué, yo relato dessus. Yo convoqué Dimitri Vob, Reginald Boulos, hein, Jean-Marie Vob, et Steven Benoit. Mais, côte Don Kato. Côte Don Kato, pour qui raison Don Kato pas paraître dans l'islam? C'est comprendre, après c'est comprendre. Ça fait Don Kato pas sous l'issa et de convocation. Puisque nous toutes connaissons l'implication de Don Kato, mesdames et messieurs. Ça, c'est clair. Et je pense que DCPJ, monsieur, réveillez-nous. Nous pas comme si à essayer de protéger qui compte là. Nous pas protéger personne. Et je nous dis, faut que président joue une justice. Mais au-delà de ça, nous pourrons poursuivre, c'est important. N'a pas dit, mounio, s'il vous plaît. Pendant n'a pas info, par respect, parlez-nous, s'il vous plaît. Dans le cas et Premier ministre Claude Joseph, nous connaissons la bataille éclatée là, et Salomon, mesdames et messieurs. Eh bien, Claude Joseph m'a demandé aide à l'international, aide militaire, frère. Eh bien, effectivement, oui, Jimmy, nous connaissons par rapport à la bataille qui déclenche là après la mort de Jovenel Moïse à côté. Côté Claude Joseph a été assuré, nous capables de dire, et a assuré la transition qui vient là, dans notre pays à côté de nous, Bénin. La Lima qui dit que c'est. Claude Joseph qui reconnaît Eliab Kébé jusqu'à ce qu'il fasse élection en Dampéna. Mais par la suite, il y a un groupe d'opposition, société civile, là, ils mettent ensemble avec des concerts. Nous, on va parler de parti en Dampouva qui était parti PHTK, mi-juin, ensemble, société civile, là, ils viennent avec un tiré sénat, ils composent ensemble, en côté, ils ont même demandé pour ce Joseph Lambert pour qu'il vienne devenir président à la place du président Jovenel Moïse. Il m'a dit pour c'est Lambert, il nous a dit depuis matin sur toutes les réseaux sociaux, il a parlé de et en président provisoire actuel, il est Joseph Lambert, gros bataille déclenché entre et nous avons dit que Joseph et Lambert. Et nous connaissons Jimmy en plein moment, il dit Jovenel, pas capable d'être premier ministre en pays parce qu'il est son président de facto, Jean-Claude Abdullah, parce que le mandat est fini le 17 février 2021. C'est ça, l'opposition te compte toujours à dire lorsqu'il était nommé à Ariel Henry. En plus, on te dit Ariel Henry, pas gagné,
pas gagné dans figure s'il a d'accord à jeune président Jovenel Moïse pour la monter gouvernement. Nous en plus les opposition t'a critiqué Ariel Henry en tant que nègre et KDF COP 25 ou dégoûté. Et nous je dis à là même les opposition t'a critiqué Jovenel Moïse qui t'a dit Jovenel Moïse de facto 7 février 2021 mandat fini et ben nous et nègre aujourd'hui. Et lui-même il a nommé Ariel Henry parce que c'est président qui est nommé lui. Président lui-même il s'est nommé Ariel Henry. C'est Ariel Henry qu'on connaît comme premier ministre. Mais il y a d'accord pour c'est Lambert, Joseph Lambert pour qui président. Et bien il a nommé Ariel Henry parce que il dit c'est Jovenel qui était nommé lui. Nous recommandons un peu les politiciens, mesdames, un peu je dis en d'après Adjimi. L'heure est bon pour nous. Nous ne voyons pas les clés. L'heure n'est pas bon pour nous. Et je dis à ça, nous sommes à clair qui ne parle pas et puis qui a brûlé ces questions et ça fait pas que tu as brûlé. Ça peut appeler nous bien. Faut que Joseph avec Léon Charles Pagé a fait un peu comme on a dit. Et maintenant, on va parler. Et en plus, Jimmy, il a parlé des questions et Léon Charles, il nous a parlé des questions que Joseph a avec Ariel Henry. Écoutez, en plus, on a dit qu'il va connaître Jovenel en tant que président. Je dis à nous qu'il a supporté Ariel Henry comme premier ministre en tant que Jimmy. Ça veut dire, nous comprenons ça, ça veut dire. Pays à côté la privée du donc, mesdames et messieurs, nous avons dit sous point ça, et M. Claude Joseph a été demandé aide avec la communauté internationale, demandé pour faire tout unité et débarquer en deux pays. A été demandé avec Washington et avec l'ONU pour voir des troupes pour sécuriser sites stratégiques en deux pays. Par exemple, les votants des sites stratégiques ou même connaissent par les nationales et d'autres encore par là-dedans. Et bien, du même nouveau côté, et Claude Joseph demandé appui international là par rapport avec le groupe Nescaro qui finement enragé parce que beaucoup pas quelqu'un va absoucer parce qu'il vous dit, il dit à la fois qu'il vient tout en train de tout parler là. Et bien, nous, le groupe qui sorti du même, et bien, malheureux, qui est le Claude Joseph, il est comme vous, même déjà, le président Jovenel Moïse, lui, courir, il m'a dit, il va fort international là pour lui aider, pour lui protéger, pour ne pas passer même gens avec le président Jovenel Moïse. Donc, et n'a pas rappelé, mesdames, messieurs, et Gémoun qui a dit que, et pas n'oublier Nenel Kassi. Non, pas qu'oublier Nenel Kassi, mesdames, messieurs. Non, pas qu'oublier Nenel Kassi. Non, pas qu'oublier André Michel, évidemment. Non, pas qu'oublier et Yannick Joseph. Non, pas oublier Mounsayo. Mais en attendant, c'est surtout, gros tête, on a parlé, hein. On a parlé justement Reginald Boulos, Dimitri Vob, et Yuri La Tortue, entre autres, hein. Et nous parlons de Jean-Marie Vob. Mais, c'est ou pas capable parler de Don Kato. L'autre yo vin après oui et André Michel Latou mon pas capable lier moun sa yo et sincèrement parce que et rapide bon qui ça qui a passé nous connaît Dimitri dans Maron Reginald Boulos dans Maron Salomon mesdames messieurs qui ça qui a passé nous est DCPJ convoqué monsieur qui ça qui a passé est-ce que c'est dans bêtise a passé nous ou pas qui ça t'a dû fait oui bon c'est mon Benjamin nous gère le live pour une petite explication mais pas bien. Et la fois dernière, et nous t'en songer, et à chaque fois, le président Jovenel Moïse est là, il a convoqué, il a convoqué Reginald Boulos, nous avons battu les pieds, il a convoqué Dimitri Vob, il a battu les pieds, est-ce que qu'on y a pendant qu'il y a un pays à l'Ilagali même seul pour ce qui est-ce que nous pensons que nous ne pas être têtu, et déjà, on va en Haïti déjà. Interpol, techniquement, nous comptons très bien, il va présenter. Yo pas présenté, yo pas de problème. C'est la justice haïtienne. Même Jean-Noël Claude Joseph mandé aide à international pour l'armée et pour intervention militaire. Et bien pour que Claude Joseph prenne responsabilité, la gagne Interpol des bandits ça yo parce que nous connaissons que yo pas présenté. Au cas. Puis si yo pas présenté de toute façon, nous que la justice haïtienne tout parce que me connais gagne équipe team c'est qui Miami, gagne équipe team c'est qui New York, nous connais yo. Nous cap gagne justice créole là tout. Donc Kroll parle, Kroll comprenne. Et Nape Salomon Kebeling, dans quelques secondes, le temps que nous saluons, la nôle, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, m'appelez nous, quittez nous, faites travail, là, parce que tout le monde qui a pris nous, dans le moment ça, Nape dit nous, dans le moment qui m'a prouvé les nous, Nape dit nous, ma bonne autorisation, mais pour l'instant, quittez nous frapper. La nôle, et nous saluons, frère. Justement, et bonjour Dimi, bonjour Salomon, bonjour tout auditeur, auditeur, mon Afebo TV. Encore une fois, nous comptons, rejoignez nous, mes amis, frère Semio. Et bien, dis-moi, information qui tombe là, même Jean-Salomon a déjà annoncé ça. Et bien, gagné, et gros information qui tombe là, et bien, concernant, et bien, révélation qui fait sous qui est ce monde qui t'a assassiné, président Jovenel, avec propre main pali, mais nous avons gagné justement James Solage, et bien, qui t'a avoué que c'est lui-même, mais la question qui se pose, est-ce que vraiment c'est lui-même qui fait avec propre main pali vraiment? Est-ce que c'est pas un. Et est-ce que ça fait au fait, monsieur, accepter de dire c'est lui-même? Nous connaissons tout Colombien, ça y est. Mais
et nous nous porter information concernant et James Solage là et n'a pas l'autre haïtien américain qui c'est Olivier Japon. Et bien James Solage qui est lié mes amis des médias internationaux qui parlait sous identité de monsieur Sayo qui ça fait comme travail qui actuellement là. Et bien James Solage c'est lui même qui était en charge de sécurité sur Genève. Gomédia qui parlait là, James Solage, in charge of security for Sojourner, c'est lui qui était en charge de sécurité pour Sojourner, et puis qui lien actuellement là, il s'est employé Nissan. Donc Nissan, nous connaissons Nissan, c'est pour Reginald Boulos, et encore une fois, nous gagnons également Olivier Jatin. Nous avons parlé qui est-ce qui Olivier Jatin. C'est lui-même, Olivier Jatin, aka sexy, et bien, il était arrêté sous gouvernement. Il était arrêté pour voler machine avec dossier drogue sous gouvernement Aristide là. Et bien, après départ Aristide, il était fait partie d'un team sécurité pour Yuri La Tortue. Alors, monsieur a travaillé dans la compagnie sécurité Yuri La Tortue. Et bien, en 2004, monsieur était, après départ Aristide, monsieur était venu accompagné de Né La Tortue. Et puis, Gérard La Tortue également. Monsieur était sous gouvernement Gérard La Tortue. Et puis, monsieur, c'est lui-même qui est responsable acheter des armes pour Yuri La Tortue, d'après les médias internationaux qui a peine bailli là. Les médias internationaux, ils ont aussi des vérités. On va aussi des vérités, mais ils ont aussi des gens là. Alors, c'est aussi des médias locaux qui ont déjà à boxer ces dossiers pour parler bailli bien. Donc, Olivier Jatin, aka sexy, was arrested for car theft and drug under the presidency of Aristide. He was part of the special security team under the direct order of Yuri La Tortue. C'est ça au bail. Et puis, nous dit, en 2004, c'était arrivé en Haïti, il était fait partie, et bien, team sécurité Yuri La Tortue. Mais actuellement là, qui ça, monsieur, qui n'a qui poste, qui responsabilité gagne actuellement là, dans le moment ça, monsieur, c'est lui-même qui est responsable acheter des armes pour compagnie sécurité Yuri La Tortue, et ça seulement pour compagnie sécurité pour gagner Yuri La Tortue tout. Et bien après la gosse des cargaisons qui qu'on a porté dans le pays, lui même pas jamais fait, et bien lui même pas jamais de compte fait, enquête pas jamais qu'on révèle qui ça dit comme suivi. Et bien n'a pas le Olivier Jatin, et bien c'est ça qui parle les médias internationaux qui parle toute vérité sous identité des haïtiens ou américains ça, et n'a pas appelé James Solage lui même qui tape travail, et bien avec Reginald Boulos actuellement, qui tape travail dans Nissan. Donc Nissan c'est pour Reginald Boulos. Donc mes amis, Reginald Boulos, Yuri La Tortue, ils ont impliqué très fort dans l'assassinat Jovenel Moïse. Et à travers surtout des agents de sécurité, des workers qui se deux qui travaillent avec eux, qui ont joué, ils ont fouqué dans le dossier là, moi Jovenel Moïse. Là, mes amis, Yuri La Tortue, Reginald Boulos, Dimitri Vob, pas ou pas bois, et bien, monsieur, j'ai une preuve, monsieur, impliqué dans la mort, et président Jovenel, et bien, qu'on est monsieur Saogin pour et présenté devant la justice, peuple là, mes amis, si nous avons passé ça, lui, pendant le bas, passez ça, lui, bah oui, nous avons fait violence, non, mais si nous avons passé ça, lui, pendant le paquet, passez ça, lui, dis bonjour, comment nous y est, dis bonsoir, comment nous y est, vous comprenez? Donc, mes amis, mes détails, yo, concernant, monsieur, des haïtiens américains, c'est vrai, notre monsieur qui c'est colombien. Nous pouvons gagner trop révélations qui fait de eux, mais nous parlons de deux messieurs ça, qui c'est James Solange, Olivier Jatin. Eh bien, nous connaissons, nous pas experts en espagnol, mais qui parle nous pas les mêmes langues avec nous, mais qui ça dit, mais qui ça dit, c'est au tuer président, la part de James Solange, et tout d'après médias internationaux, d'après information qui sortit, monsieur, mais qui attribue ce truc dans le pays, avant d'être assassiné président Jovenel, ça que tu travailles à Dimitri, ça que tu travailles avec Boulos, ça que tu travailles avec Yuri La Tortue, qui est responsable d'acheter des armes, eh bien, maintenant qui comprend nous prendre. Mesdames, messieurs, dégagez-nous, contre qui ça n'a pas fait. Non seulement la justice, mais la justice créole tout dit, et la justice populaire là tout, nous sommes capables d'agir. Dans le cadre,